on n'y arrive plus du tout avec notre équipe africaine. Seulement 2 victoires lors des 6 derniers matchs, ça nous met dans une position de 12e au classement de Ligue 2. Je pense que vraiment la montée, on peut l'oublier. On va quand même retenir que je suis limité à recruter seulement 10 joueurs centrafricains et que ça va vraiment être une carrière très compliquée. Mais bon, vous me connaissez, j'aime beaucoup les challenges. En plus, depuis que Zola et Hassan sont arrivés dans l'équipe, je commence à me dire, ah, il y a peut-être un avenir dans cette équipe. Puisque Hassan, déjà, c'est un jeune surdoué qui a vraiment 5 étoiles de geste technique. Alors lui, je peux te dire que ça va être une pépite plus tard. Mais alors, le petit Zola, qui joue milieu offensif, je peux te dire que lui, il est sûr de percer. Alors lui, ma main a coupé que lui, il va finir au moins avec 85 de général. Il est vraiment trop fort. Bien entendu, l'équipe est menée par Geoffrey Kondogbia, mais il a décidé de signer un contrat seulement de 1 an. Un contrat d'ailleurs qu'on va essayer de négocier dès janvier, les gars. Il est hors de question que je perde le capitaine de cette équipe. C'est vraiment le pilier du club. Comment tu peux imaginer un avenir sans lui? Non mais dis-moi, regarde l'équipe. Regarde l'équipe, on enlève Geoffrey Kondogbia. On fait comment après? Tu vois? On dirait des gosses, frère. C'est des gosses, on a besoin de Geoffrey. Donc pour ceux qui n'ont pas compris le principe de ma carrière, c'est super simple. Je suis centrafricain et pour la toute première fois, je peux envoyer des recruteurs en Centrafrique dans un jeu. Donc j'ai décidé de faire une équipe 100% centrafricaine. Donc c'est un gros centre de formation basé en Centrafrique et on va évoluer en France pour prouver au monde entier que nous sommes vraiment le pays du football. Avant que la vidéo commence, les gars, je vous invite à liker, à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Les gars, c'est très important. Ça permet déjà d'avoir un bon indicateur si vous kiffez ce genre de vidéo, mais aussi de donner un maximum d'engagement à cette vidéo. Donc, merci à vous. N'hésitez pas aussi à me dire quel type de carrière vous faites et j'aimerais bien savoir. Dites-moi tout en commentaire et j'irai jeter un coup d'œil. Bon, sans plus attendre, c'est parti, les gars. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vraiment compter sur un Geoffrey Kondogbia en forme. Et n'hésite pas à lâcher vraiment des bastos aux abords de la surface. Mais ce serait bête vraiment de compter que sur un joueur, étant donné que voilà, on est quand même à 11, on est quand même à un collectif. Du coup les gars, on va vraiment essayer de jouer collectif, ok, ça va être compliqué. On va essayer de jouer intelligemment et j'espère qu'on va les fumer. Red Star les gars, c'est vraiment une équipe intéressante, je suis très content de les voir sur FIFA. Et j'espère, pourquoi pas, dans une carrière devient pro future, pourquoi pas jouer là-bas. Allez, c'est parti les gars, match contre le Red Star. Comme je sais que c'est peut-être la seule carrière que je vais faire cette année, on passe vraiment en mode let's play, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de simulation, tout ça, etc. Et vous allez vraiment voir pratiquement tous les matchs que je vais faire. Donc sur ce coup-là, il n'y a pas de souci. Contrairement aux devient pro, où vraiment les devient pro, je compte vraiment en faire beaucoup cette année. Donc je ne pourrai pas faire tous les matchs, il y aura plein de matchs qui seront simulés. Donc du coup là, ça va être un peu différent. Mais là, ça ne me dérange pas de vous montrer vraiment tout ce que je fais, tous les détails, comment je gère mon équipe, tout ça, etc. Franchement, c'est vraiment une carrière qu'on fait ensemble. Donc vraiment n'hésitez pas à me donner des conseils quand vous en avez. Et vraiment voilà, on se donne de la force quoi. Bref, là voici mon équipe contre le Red Star les gars. Équipe un peu fatiguée. L'attaquant est fatigué, le défenseur Mervin est fatigué et Logan un peu fatigué. Mais bon, je pense que ça va le faire les gars. Objectif vraiment match nul. Au moins match nul. On est d'accord, on a 2 victoires, 4 défaites, j'ai pas envie de perdre. Allez, c'est parti les gars. C'est parti, vamos. L'entrée des joueurs sur le terrain du Red Star. Red Star qui vient d'arriver 3ème division les gars, ça va être très compliqué. Après en vrai, ils viennent de monter en Ligue 2. En vrai, ils viennent juste de monter en Ligue 2, donc ça va. On n'a pas à s'inquiéter de fou non plus, mais c'est quand même le Red Star 9-3. Ah, ça va quand même du 9-3 frérot. Ça va quand même de clients court. Attention. Regardez-moi ces deux petits cracks là. Et les deux cracks à côté hein. Ah, les gars, ça c'est un message. Regardez bien cette photo. Regardez là. Là ils sont jeunes, tout ça, etc. Plus tard dans 10 ans. Dans 10 ans, dans 10 saisons les gars. On refera cette photo à côté. Quand ils... Wesh, 18ème. Ah non, plus mauvaise défense. J'ai paniqué. J'ai paniqué, là je veux bien. Dites-moi les gars s'il me ressemble. S'il vous plaît, le mec. Je sais pas s'il me ressemble en vrai. Mais je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense que j'ai un peu flopé là sur ce coup-là. Par contre, oh non, 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 les gars. Le maillot, il se ressemble. Oh la D. Oh la D. La D. Bon, vas-y, on va quand même essayer. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Pour ce match de Ligue 2. Voilà, le ballon est récupéré. C'est très propre. Tchac, Hassan qui prend le ballon. Hassan très technique les gars. Il aime bien rentrer à l'intérieur, puis bien les provoquer. J'aime beaucoup sa manière de jouer. Je dis ça alors que c'est moi qui décide de jouer avec lui comme ça. C'est chiant de réfléchir. Oui, il est hors jeu. Oh les gars, vas-y, vas-y.
Oh! Oh! Première action, les gars, c'était chaud. Aïe, 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 je l'ai vraiment, je l'ai vu dedans. Vraiment, j'y ai cru, je l'ai vu dedans. En fait, ce genre de combinaison marche beaucoup sur ce jeu. Donc en vrai, c'est vraiment pas mal, hein. On va vraiment le faire plusieurs fois. Ça marche vraiment beaucoup sur ce jeu. Attention à Cissé. Bien joué. Putain. Ok. Tac, le 1-2, magnifique. Eh oui, ça passe encore une fois. Eh non, malheureusement. Ouais, faut le tester, hein. Ça, c'est vraiment un truc que tu testes. Ouh là là, attention, Logan. Te laisse pas avoir, Logan. Te laisse pas avoir. Te laisse pas avoir, Logan. Oh là là, Logan, tu t'es laissé avoir. J'apprécie moyennement, Logan. Logan, reste sur tes appuis. Ok. Logan, attention, tu te fais balader, Logan. Aïe, 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 restez concentrés. Vous savez quoi, les gars, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Il y a des jours sans, il y a des débuts sans, les gars, mais le plus important, c'est que reste vraiment concentré. Ali. Ali. Oh, dommage. Bien joué. Allez, les gars, on reste concentré. Ok. Voilà, le ballon est intercepté. Ok. Ok. Hassan qui a le ballon. Hassan, jeune crack du centre de formation centrafricain. Oh là là, il élimine un joueur. Oh, dommage. Bien joué, Hassan, quand même. Bien joué. J'ai vu la vision. J'ai la vision. J'ai la vision de ce que tu voulais faire. T'inquiète, y a pas de soucis. Attention, ça avance. Hein. Merci, ça, cette intervention. Allez. Kobanjo. Magnifique. Fallait donner un peu plus dans l'axe. Appelle un peu plus dans l'axe, dans le dos de la défense, ça aurait été parfait. Ok. Bam. On n'a pas réussi à lui prendre. Ah ouais, très technique, hein, les gars. Très technique, c'est très technique, les gars, ce que je suis en train de voir là. Allez, t'es parti, tac. Est-ce qu'Hassan, tu pars? Mais wesh, c'est quoi cette passe de merde là? Wesh, les gars, c'est une dinguerie. Comment tu peux faire des passes aussi merdiques? Franchement, je comprends pas. Allez, Logan, je reste sur tes appuis, Logan. Excellent, Logan. Vas-y. Deal! Oh, l'arrêt incroyable. Allez, c'est parti, on part. On part de l'autre côté. On part de l'autre côté, héros. Ah ouais, il court, hein, il cavale, les gars. Mais non. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Dites-moi, les gars, si vous avez le même problème. Les passes, vraiment, elles sont de plus en plus compliquées, hein. C'est une impression ou c'est vraiment moi qui suis nul, les gars? Dites-moi tout, là. Aïe, 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 les gars. Les gars, c'est dur. Les gars, c'est dur. C'est très dur. Ce club centrafricain, vraiment, rencontre vraiment des difficultés pour la première saison. Après, oui. Ça, c'est normal. En plus, là, on est pas dégueulasse. On est quand même 13e. On a quand même 2 victoires. Y a pas de souci. C'est un peu la saison test, on va dire. On vise pas du tout la montée. Donc, ouais. Ouais, 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 mon gars. Dommage. Encore, sur le côté, voilà. Allez, Hassan, tac. Le 1-2. Ouh la main, ouh la main. Ouh la main, merci monsieur l'arbitre. Avant la mi-temps, c'est très important. C'est très important, les gars. Avant la mi-temps, c'est très important. Geoffrey Kondogbia, s'il te plaît. Kwaku qui va rentrer à la passe de Logan. Logan qui est très fatigué. Kwaku qui joue milieu défensif. Mais voilà, il va s'adapter. Allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Geoffrey 63. En fait, le problème, c'est ça. C'est 63 de précision. Donc, du coup, je vais utiliser la force. Hein. On va tout miser sur la force de Geoffrey Kondogbia.
Et ouais, dommage. Bon, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, venez. On va discuter de la vestiaire là. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Je vais vous expliquer un truc. Quoi. Je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. Venez dans les vestiaires, les gars. C'est pas grave. C'est pas grave. Baissez pas la tête, ça va bien se passer. Alors, nous sommes dans les vestiaires. Les gars, c'est une mauvaise première mi-temps. Vous êtes mal rentrés, vous n'avez pas suivi la tactique. Je sais, il y a des maillots qui sont voilà, très difficiles à différencier. Mais bon, c'est pas grave. J'attends à ce qu'on vraiment on leur rentre dedans. Il y a trop d'hésitation, rentrez-leur dedans. N'hésitez pas à faire des fautes, il n'y en a eu aucune. Montrez-leur que vous êtes présents, les gars. On n'est pas comme eux. Les gars, dites-vous qu'on vient de loin. On vient d'un autre continent, on vient de l'Afrique. On est là pour une mission. Ok ? Donc je veux le ressentir sur le terrain. Même si on perd, même si, tu vois, même si on fait match nul, si on perd, c'est pas grave. Du moment qu'ils ressentent cette pression, cette fougue. Ok ? Cette passion. Tu vois ce que je veux dire ? Allez. Retournez sur le terrain et faites le taf. Voilà ce que j'aurais dit si j'étais vraiment sur. Avec eux, quoi. Oulala. Je me suis aventuré dans un changement d'attaquant, mais bon, ça reste très compliqué quand même. Un moins 7 quand même. Moins 7, les gars, tu le sens passer quand même. Hein. Moins 7, frère. Mais je suis obligé, il faut vraiment le reposer. Allez, c'est parti, les gars, deuxième mi-temps. On va tenter des choses, les gars. C'est bien joué. Waouh. C'est pas grave. Voilà le pressing, exactement, les gars, ça que je veux. Je veux un pressing concentré, je veux vraiment. Voilà, c'est ça, c'est pas grave, excuse-toi. Excuse-toi, voilà. Mais voilà, on montre les gars ce qu'on veut. On montre ce qu'on veut. Wesh, mais non, c'est l'arbitre. C'est la première. Oh, c'est dingue ça, les gars, wesh. C'est dingue. Il tue le match, l'arbitre. C'est bon, c'est fini. Les gars, je vous jure, c'est fini. L'arbitre. Bah voilà, Geoffrey Kondogbia est à gauche. C'est fini. C'est fini. L'arbitre nous a tués. Il nous tue. Désolé, les gars, c'est une ref. Oh là là, mais c'est bon. Bien joué, gardien. Non, mais c'est bon, on va essayer de minimiser les dégâts. On va juste essayer de minimiser les dégâts, les gars. Il n'y a même pas d'attaquant. Qu'est-ce que je fasse? Allez, on y va. Ouais, y a aucun attaquant, les gars. Vraiment, aucun attaquant, aucun but, les gars, dans cette... Aucun projet. Attention! Oh, la main! La main, frère. La main. Monsieur l'arbitre, la main, on l'a dit. Oh! Geoffrey, tu l'attends ou tu veux vraiment attendre Geoffrey? Allez, c'est parti, Geoffrey. Geoffrey? C'est dur. C'est dur pour Geoffrey Kondogbia. Non, franchement, c'est dur, les gars. C'est très dur. C'est parti. Passe au retrait, merci. Tranquille, tac. Les gars, il y a pas mal de gens qui me disent, ouais, fais des épisodes plus longs. Etc. Donc ça veut dire que là en gros je vais tester un truc sur cette chaîne. Dites moi si vous kiffez. En gros là je vais vraiment tester deux types de formats. C'est à dire que pour Deviens Pro, je vais tester vraiment un format avec un montage rythmé. Tu vois. Avec vraiment en vous montrant que les détails précis. Et pour ma carrière manager, je vais vraiment fumer voilà. De manière let's play quoi. Oh mais je pensais qu'il était avec moi le mec à côté. Je voulais faire un 1-2. En fait c'est vraiment pénalisant le... Les maillots, hein. C'est vraiment pénalisant de fou parce que eux, ça. Voilà. Eux, ça les gêne pas. Ouais, mais. Allez, vas-y. J'ai même pas remarqué qu'il était pas avec moi, lui, putain. 3-0, les gars. Non, mais. Putain, il est pas avec moi. Ah ouais, les gars, c'est dur. C'est dur. Je suis obligé de regarder deux fois avant de faire la passe, c'est chiant. Allez, c'est parti, allez. Hassan.
Hassan, t'es passé. T'es le joueur que tu penses être. Bien joué. Bien joué! Ça, les gars! C'est ça, Neil. À chaque fois, lui, on le critique, lui. Hein. Lui, les gars, on le critique souvent. Hein. On dit oui, non, t'as pas le niveau, etc. Il a le niveau, les gars. Pour de vrai, je pense qu'il a le niveau. Pour de vrai, je pense qu'il a un petit niveau quand même. Mais le problème, c'est que vas-y. Il est un peu relou quand même. Il est un peu chiant quand même. En fait, il m'envoie trop de messages en DM. Il me dit oui, je veux jouer, je veux ci, je veux ça, etc. Tu vois. C'est ça que je lui reproche. Avant de dire je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Sois bon déjà. Sois irréprochable. Tu vois. Bien joué ça. Mais ouais, je le contrôle. Ouais, je le contrôle, il est long. Oh, le contre. Ouais, bah les gars, il n'y a plus de marquage. Il m'a envoyé, les gars. Il m'a envoyé. Je sais même plus quoi faire, les gars, en défense. Mais putain, mes frères, en fait, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir qui est avec moi et qui est contre moi, les gars. C'est une dinguerie, wesh, non? Vas-y. Ouais, mes frères. Ouais, il est passé. Mais non, il n'y a pas un main, monsieur l'arbitre. Putain, c'est dingue, les gars, c'est dingue. Dites-moi si vous aussi, vous avez ce bug-là, les gars. Moi, j'ai un bug. En ce moment, on devient pro. C'est que... c'est que j'ai pas le... J'ai pas les entrées de joueurs en devient pro. Je l'ai que en carré manager, les gars, mais je l'ai pas en devient pro. C'est trop bizarre. Dites-moi si vous avez le même bug que moi, les gars, s'il vous plaît. Allez. Allez, vas-y. Vas-y. Ouh, dommage, bien joué les gars, bien joué. On s'est battu jusqu'au bout. On s'est battu jusqu'au bout les gars, sortez la tête haute s'il vous plaît. Bravo, bravo, bravo. Sortez vraiment la tête haute. Voilà. Soyez fair play. Sortez vraiment la tête haute. Moi je vais parler aux journalistes moi. J'ai des choses à dire là. C'est pas normal que la Ligue nous fasse ce coup-là de mettre les mêmes maillots. Quelques secondes après la fin de ce match, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bien sûr, j'ai accepté. Alors, Simmons a eu des problèmes de discipline, ok? Et l'arbitre a été obligé d'intervenir souvent. Ça n'a pas dû te plaire, n'est-ce pas? Bah écoute, moi personnellement, c'est ce que j'ai demandé à mes joueurs. Je leur ai demandé d'être agressif. Malheureusement, il a été un peu, voilà, un peu pas trop sur la retenue, mais... Dans l'idée, c'était ça, les gars. Il fallait être agressif, il fallait répondre. Zola a raté beaucoup de passes au-dessus de sa défense adverse. Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète un peu. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage, mais bon. Cela vu, c'est un petit match. Il est encore jeune. Il a encore une grande marge de progression. Tu vois ce que je veux dire? Allez, question suivante, s'il vous plaît, là. Ousou n'a pas réussi à perturber l'adversaire. Cela explique ce mauvais résultat, selon vous? Alors, frère, ça ne joue pas sur un seul joueur. Ok, donc on va consoler Ousou. Ok, on protège les joueurs, bien entendu. On va pas pointer du doigt un joueur, même si c'est vrai qu'il a été très nul. Le marquage était vraiment exécrable. Ça a été un plaisir. Merci monsieur, au revoir. Frère, qu'est-ce que je peux faire avec cette équipe là? 3-0 les gars, au Red Star, chez eux. Non, c'est dur. Là maintenant il y a l'équipe de Pau qui nous attend. Mais avant ça les gars, le message de Niel. Coach, je ne vous cache pas que je craignais votre envie de me remplacer. Je me sentais en danger avec les nouveaux éléments. Et aussi avec ce que je pouvais lire dans la presse. Merci de m'avoir clarifié cette situation. Eh bien écoute, tu joues bien. Tant que tu joues bien, je te fais jouer. C'est aussi simple que ça. T'es mauvais, tu joues pas. T'es bon, tu joues. Donc arrête de m'envoyer des messages. T'es pas mon fils. Tu m'envoies plus de messages que ma propre femme, frère. À un moment donné, il va te faire foutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue ça quand même. En vrai, les gars, c'est dingue. Fous-moi la paix, frère, ou non? Fous-moi la paix. On va aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Là. On va voir ce qui se dit sur nous. Parce que bah, je sais qu'on se fait vanner. Je sais, les gars, qu'on se fait vanner. Mais on va quand même aller voir ce qui se dit sur nous, les gars. Paris FC qui gagne. Galatasaray face à Vienne. Ça, c'est la Coupe d'Europe. Ok, donc là... Comment je rêve, les gars, que de voir la Centrafrique en Coupe d'Europe. Ma Centrafrique, les gars, qui va représenter vraiment
le continent africain à travers cette Coupe d'Europe. Pour l'instant, je peux toujours pas participer, les gars, au tournoi des jeunes parce que j'ai pas de gardien. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que j'envoie mon recruteur pour chercher un gardien. Ah, mais c'est déjà fait. J'ai déjà envoyé un recruteur, les gars, pour chercher un gardien. Donc, c'est bon, c'est en cours. Ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, les gars, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est des jeunes joueurs. Dites-vous, on peut avoir des joueurs jusqu'à 14 ans. Hein. 14 ans, tu peux être dans mon centre de formation, les gars. Franchement, c'est une dinguerie. Ça, je kiffe, ça, tu vois. Ça, je kiffe. Du coup, mon équipe, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? La gestion, non, on va enchaîner, les gars. Hein. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout se passe bien, tout est nickel. Analyse de l'adversaire, ça, c'est quoi? Ok. Aller vers les stats. Ok, on va regarder un peu les stats de cette équipe. Qui il faut surveiller là? C'est lui là. Kalib. Kalib, il a 3 buts. Kalib, les gars, il a 3 buts. C'est lui qui va falloir faucher. Dès le début, je vais essayer de lui mettre un coup, lui. Dès le début, je lui mets un coup. Après, en vrai, eux, ils sont prenables, hein. Eh, les gars, ils ont 2 étoiles, hein. C'est pas non plus une équipe waouh, quoi. Ils ont 2 étoiles, frère. La vie, c'est faisable. La vie, c'est faisable. 2 étoiles. Ils sont pas plus impressionnants que nous. Donc, il suffit juste de jouer notre jeu. Surtout qu'on est à domicile, on est en Afrique, on les reçoit, ils ont carrément fait le voyage, ils sont fatigués. On va beaucoup jouer sur ça, on va les bousculer et on va espérer, voilà, faire la différence tout simplement. Donc là, remplacement automatique pour ce match et let's go. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que oui, on l'est tous ici, j'espère. Allez, c'est parti les gars. C'est parti les gars, on est chez nous. On est chez nous. C'est notre public, c'est notre continent. On doit vraiment montrer de quoi on est capable, les gars, s'il vous plaît. S'il vous plaît, par pitié. Merci. Allez. Allez, c'est parti pour l'entrée des joueurs. Et bien entendu, notre musique d'entrée, les gars. L'hymne national de la Centrafrique, c'est parti. J'espère que vous êtes tous comme ça, les gars. Soyez tous comme ça, les gars, s'il vous plaît. Tous ceux qui regardent la vidéo là, que ce soit en avant-première ou dans un replay, regardez ça avec la main ici sur le cœur pour la République centrafricaine, mesdames et messieurs. Geoffrey, on compte sur toi. C'est parti les gars, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je me sens bien. Allez, let's go. Tout le monde est dans les tribunes, c'est bon. C'est parti, on lance. Allez, Geoffrey Kondogbia. Qui joue simple avec Matteo. Matteo qui remplace du coup Simmons. Qui a eu copain d'un carton. Ouf, Matteo. Tranquille, tranquille. Je ferai compte de bien, te jette pas. Voilà. On reste sur les appuis, les gars. On reste solide sur les appuis. Suis ton joueur, toi. Voilà. Suis ton joueur. Anticipe. Voilà, exactement. T'anticipes. Juste tu fixes, en fait. Juste tu fixes. Tu laisses pas prendre l'avantage. Et c'est carré. Tant qu'il prend pas l'avantage, c'est carré, mon pote. Voilà, tac. Wesh, les gars, le marquage! Oh! Oh, il est nul! En fait, j'ai capté en fait, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute défensivement, je suis pas nul en fait défensivement, c'est juste qu'il est nul en fait. Oh! Babaka qui propose. Babaka le numéro 10. Wop, monsieur l'arbitre. J'ai vu une petite main là, pendant qu'il était en train de tacler. C'est totalement faux. Allez, prends sa place. Voilà, Babaka. Eh, Babaka il est généreux, hein. Babaka il est vraiment généreux, c'est vraiment. C'est vraiment le Centrafricain qui pense être, les gars. Nous, c'est vraiment notre physionomie. On est vraiment généreux. On se donne pour notre équipe. Babaka, peut-être. Malheureusement, un peu en retard. Voilà, tranquille, les gars. Là, on est bien. Là, les gars, on est bien. On a bien commencé le match. Je sens l'envie de mes joueurs. Hassan, du coup, qui pose le ballon. Logan. Voilà, tranquillement, avec Geoffrey Kondogbia. Matteo qui demande à ce qu'on mette dans les pieds. Zola. Zola. Zola, attention, Matteo qui est parti demander. Mauvais centre. Matteo qui fait un deuxième boulot.
Hein? C'est pas du tout raciste ce que je vais dire, hein. Mais Matteo, qui fait un deuxième boulot, les gars, pour pouvoir subvenir à ses besoins. À côté, il est aussi vigile à Intermarché. Non, vraiment, faut qu'on en parle. Venez, les gars, on se pose vite fait, on en parle. Pourquoi? Vraiment, pourquoi, hein? Tous les vigiles sont des renois. C'est dingue. Wow. Putain, les gars, j'en ai marre. J'en ai marre. Mathéo, t'étais où, Mathéo? Mathéo! C'est dur. C'est très dur. Ouais, c'est parti, on accélère. Hop. 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 Logan. Hop. Oh la main, monsieur l'arbitre. Wow, doucement là, oh. Franchement, ce match, on domine en plus, hein. On joue vraiment dans le coin adverse et tout, hein. Vas-y, Geoffrey, vas-y, Geoffrey. Ah, mais Geoffrey. C'est pas grave, les gars, on reste concentrao. Ok, c'est bien. Ok, c'est pas grave, attention. Wow, excellent, Logan. Logan qui anticipe, attention, la passe. Pour Kubonjo, Kubonjo. Mais oh là là. Un coup, il fait un appel de balle. Appel de balle intérieur et un coup il se barre, wesh, à un moment donné. Et voilà, Logan qui est en retard. Hassan en retard, le défenseur en retard, tout le monde est en retard, c'est nickel. En fait, on est trop mauvais. On est vraiment trop mauvais. On est vraiment. Qu'est-ce qu'il fout tout seul? En fait, il faut que je trouve vraiment une tactique où vraiment mes défenseurs ils sont vraiment resserrés. Je sais pas si vous avez le même problème, vous aussi. Mais j'ai l'impression que ma ligne défensive elle est trop écartée. Ma ligne défensive, les gars, elle est trop écartée. Genre, les deux défenseurs ils sont trop écartés, les gars. Vraiment que je trouve la solution là. Ouais? Contrôle but. Merci, les gars. Let's go! La República Centrafrica! La Centrafrique, mesdames et messieurs, qui marque, qui réduit le score juste avant la mi-temps, c'est ce qu'il fallait. Voilà, le banc est debout, mais calmez-vous. Calmez-vous, les gars, calmez-vous, calmez-vous. 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 Allez, c'est parti. On continue. On continue. Ok. Allez. Allez, tac. Ok. Ouf. Gros ballon. Ok. Attention. Merci, gardien. Fou, j'ai eu chaud, les gars. Eh, les gars, j'ai tellement eu chaud. J'ai tellement eu chaud, c'est une dinguerie. Voilà, Logan. Bien joué, c'est à la mi-temps. 2-1. 2-1, les gars. On n'a pas dit notre dernier mot. 2-1. 2-1. Ça va bien se passer. Je crois, les gars, que vraiment Babaka, c'est le meilleur buteur. Hein. Babaka, il a peut-être 55 de général. C'est le plus mauvais. Dites-vous, c'est le plus mauvais sur le terrain. Et pourtant, c'est le mec qui marque le plus de buts. C'est une dinguerie. Nil va rentrer. J'ai dit à Nil. J'ai dit, frère, tant que t'es bon, tu joues. Si tu deviens nul, tu joues plus. Là, il est bon, il joue. Frère, t'es bon, tu joues, t'es mauvais, tu bouges. Après, dites-vous, les gars, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai l'impression qu'eux, ils ont capté que j'avais une équipe centrafricaine. Genre, dans les tribunes, il y a beaucoup de Renois quand même. Regardez, les gars, là-haut. Genre, j'ai l'impression que ça correspond plus aux 11 qu'il y a sur le terrain. Ouais, mais frère, Hassan. Hassan, arrête de m'énerver, Hassan. Allez, Geoffrey. Geoffrey, tu dois mener cette équipe à la victoire. Voilà, tranquille les gars, tranquille, viens, dans les pieds, tac. Tac. Exactement, ça joue simple, ça joue bien. Logan qui se déploie sur le côté. Accélération de Logan. Reviens derrière, c'est magnifique. Ouh là là, attention, cette passe à une touche. Alors qu'on n'est pas à l'aise techniquement. Geoffrey Kondogbia. Zola qui décale sur le côté.
Ça revient avec Zola, le contrôle. Oh, ça doit aller au fond, ça. On doit faire mieux, les gars. On doit faire mieux. Après, je sais que t'es gaucher, Geoffrey. Je sais que t'es gaucher. Mais tu dois au moins la cadrer. Fou, il est passé. Il y va, Hassan, il y va. N'en fais pas trop aussi, Hassan, n'en fais pas trop. T'es passé, certes, mais n'en fais pas trop, s'il te plaît. Allez, Ali, qui a le ballon. Ali, qui se retourne. La passe, Neil. Voilà, Geoffrey, merci. Geoffrey, perds pas ce ballon, Geoffrey. Je vais m'énerver, Geoffrey. Ouais. Extérieur du pied. Oh, en vrai, il y a grave moyen. Je suis choqué, les gars. On fait vraiment du bon jeu, là. De la Geoffrey. La frappe de Geoffrey Kondo. Bien. Putain, les gars, allez là. On peut le faire, les gars. Te jette pas. Ouh, dans l'axe, les gars, dans l'axe. Heureusement qu'ils ont pas vu, putain. Bien joué, Mathéo. Geoffrey Kondo bien qui récupère. Allez, les gars, il va rester 15 minutes. Défaite interdite, les gars, on est chez nous, on est à domicile. Wow, monsieur l'arbitre, ça y est, il va falloir sévir un peu là. Non, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, les gars, wesh, à un moment donné. C'est abusé, ça, non? Ou je suis fou? Est-ce que c'est moi qui suis fou, les gars? Est-ce que c'est moi qui suis fou là? Est-ce que c'est moi qui suis timbré là, hein? Je ne pense pas, les refs. Geoffrey, tu dois défendre, hein? Allez, c'est parti. 81ème minute, les gars. Pff, t'es mal, allez, tac des deux pieds. Tac des deux pieds. Pff, c'est une dinguerie, wesh, ouais, nous. Allez, tac. Le contrôle! Mais c'est un truc de fou! C'est un truc de fou, les gars. Bah ouais! Oh là 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 là. C'est un truc de fou. Oh non, c'est un truc de fou. C'est bon, on a perdu. On a perdu, malheureusement. Mais les supporters sont pas déçus. En tout cas, c'est des bons, les supporters. Hein. Les supporters, c'est des bons. Hein. C'est pas en train de nous siffler. Ils applaudissent. Ils ont quand même applaudi le match. On a quand même essayé. On les a dominés. Donc, merci. Merci aux supporters du club. C'est merci les gars. On a fait ce qu'on a pu. Malheureusement, on gagne pas. L'interview du coup. Matteo n'a pas réussi à perturber l'adversaire. Cela explique ce mauvais résultat selon vous? Bah écoute, moi je comptais pas sur Matteo. Matteo c'est juste le remplaçant. Donc ouais, Matteo il s'est fait laver, frère. C'est fait laver, tu veux que je te dise quoi? C'est fait laver. Avec son gros crâne là. Vu ses dribbles, Zola a presque été intouchable aujourd'hui. Impressionnant comme performance. En vrai, moi je m'en bats les couilles des performances individuelles. Vraiment, je te mens pas.
Je m'en bats les couilles. Je vais l'encourager, certes, mais je m'en bats les couilles. Moi, je veux vraiment, voilà, que mon équipe gagne, que mon équipe joue bien ensemble. Ok? Donc, faudra me parler d'individualité. Votre équipe m'a semblé dominée pendant tout le match. Ouais, bah, c'est ça. Regarde les statistiques de but. Kubanjo. Bah, frère, Kubanjo, il a pas réussi. Ouais, c'est dur. Il a pas eu l'occasion de marquer. C'est très dur, les gars. C'est vraiment très dur. Merci quand même pour toutes vos questions. Au revoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien, frérot. C'est dur. C'est abusé comment ça la crise. Je sais pas on est quel jour là dans le jeu. Là dites-vous dans le jeu tous les 13 du mois je crois on a des nouvelles du centre de formation. Et c'est ça que j'attends vraiment. Je veux vraiment des nouvelles du centre de formation. But signé nanana. Ouais mais c'est ça, putain, vieux but frère. Non, j'ai trop le seum. Un vieux but. 4 mails non lus. Après, oui, lui, il a purgé sa suspension. Nan, nan, nan. Ok, c'est bon. Allez. Maintenant, les gars, on va jouer contre Dunkerque. Je crois que c'est le logo de Dunkerque. Enfin, je suis même sûr. Étant donné que je ne suis pas un footix. Dunkerque, mesdames et messieurs. Allez. Match dans exactement 5 jours. Et je vais aussi découvrir les nouveaux joueurs centrafricains qui vont arriver dans l'équipe. Pourquoi pas pour faire le premier tournoi des jeunes. J'ai jamais testé. Tournoi des jeunes en mode rush. Ça peut être pas mal. Et la Centrafrique FC du coup qui va jouer contre cette équipe de Dunkerque. L'équipe de Dunkerque. Tac tac tac, centre de formation. Il y a des jeunes. Potentiel élevé, donc ça c'est quoi? C'est mon centre de formation. Ok. Et là. Bah attends, il a pas trouvé de joueur là? Ah, il n'y a pas de rapport, ok. Ah, date de retour, il est. Ah non, mais non. Non, il n'y a vraiment pas de rapport, ok. Il n'y a pas de rapport disponible, ok. Super. Super, il bosse vraiment le frérot. Hein. On voit qu'il bosse le frérot. Je dois revoir la tactique. Je dois revoir la tactique. Je dois vraiment revoir la tactique. Parce que Chikitaka, je sais pas si c'est vraiment bénéf pour moi en vrai. Je vais aller voir les autres. Contre-pressing, Chikitaka, bon. Contre-pressing, c'est pas mal. Hein. Ok, ok. Contre-attaque. Loire devant, c'est pas trop fou non plus. Alors, contre-pressing, votre stratégie se base sur le contre-pressing. Votre équipe essaye de récupérer le ballon dans les 30 mètres adverses dès que possible. Ouais, ouais, là, c'est ça. C'est ça, c'est ça que je veux moi. Je veux qu'on aille vraiment les agresser chez eux. Vraiment, c'est ce que je veux. Concernant les coachs, est-ce que j'ai de la place pour des coachs? Est-ce que... Bah non, j'ai déjà 11. Capacité du staff, 11. J'ai déjà le maximum. Mais sinon, voilà, on a changé maintenant de tactique. Et il faut aussi maintenant que je change, les gars, la défense. Hein. Les gars, je vous montre pas la défense. Par contre, c'est quoi ce rapport-là? Moi, je m'en fous du rapport, les gars. J'ai pas besoin de rapport. Vraiment, je vous mens pas. J'ai pas besoin de qu'on me fasse de rapport ou quoi, etc. Ok, c'est cool. Merci, vous travaillez et tout. Mais les gars, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Moi, je veux juste. Je veux juste mon équipe, quoi. Plan de développement. Ouais, ça se passe bien. Ça, je m'étais déjà occupé de ça. Les gars, la compo. La compo, mesdames et messieurs. Alors, tactique. Ok. Approche défensive, agressive, contre-attaque et 4-3-3 offensif. Ok, on va modifier cette tactique là. Voir tous les dispositifs. Non, non, non. Approche défensive, hauteur des lignes. Bah ouais, c'est ça aussi. Approche défensive, la hauteur de la ligne, les gars, elle est quand même haute. Hein, regardez l'approche défensive la plus directe avec une ligne haute qui presse après la perte de la balle et joue le piège du hors-jeu. Ça consomme plus d'endurance. Mais oui, frérot. On va mettre équilibré. Cette approche offre plus de souplesse à la défense dans sa profondeur et sur les appels à suivre. Donc là, en gros, ils pourront vraiment être sur leurs appuis. Ils pourront mieux contrôler les appels, tout ça, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ça, vraiment, c'est pas mal. On va tester. On va tester comme ça. Je ferai Kondobia qui reste... Ah ok, on peut être plus précis, genre milieu relayeur, ok. Ça me rappelle vraiment Football Manager, les gars.
Milieu relayeur, ok. Donc élément clé pour les constructions offensives à l'arrière, etc. Ok. Et ensuite, lui, milieu relayeur aussi, mais milieu central plutôt. Et lui, toi, tu vas être un milieu offensif, frère. Qu'est-ce que tu veux là, milieu central de quoi? Milieu offensif. Lui, c'est un renard des surfaces, mais je veux plus que ce soit un attaquant avancé. Ce sera beaucoup plus complet. Attaquant intérieur, ouais, j'aime bien les appels qu'il fait. Lui aussi, attaquant intérieur, même s'il fait pas les mêmes appels, c'est bizarre, mais voilà, attaquant intérieur. Défenseur relayeur et lui défenseur stopper. Voilà, exactement. Donc là on est bien. Peut-être que ça va aller mieux, je sais pas. Dites-moi tout. Dites-moi si vous pensez que ça va aller mieux, les gars. Avant que je puisse faire le match, comme ça vous fait une petite prédiction. Et du coup, c'est parti, mon kiki. On va essayer de s'imposer face à cette équipe de Dunkerque. Let's go, let's go. Allez, je compte sur vous, les gars. Là, c'est le retour de maintenant Simmons. Simmons qui revient. Et attendez. Est-ce qu'on va faire tourner avant ce match? Est-ce qu'on va faire tourner? Parce que son déformation, les gars, il est pas mal, hein. Les gars, il y a. Ah, même. Ah, bah, wesh, il n'y a que des Zola. Zola, Zola, Zola. Lui, déjà, Hassan de base, il est là-bas. Ah, et si on testait Hassan milieu offensif et Zola milieu central? Ouais, ça, j'ai envie de tester ça aussi. Parce que Hassan milieu offensif, je sais pas si vous avez vu, mais lui, c'est vraiment un gars qui, voilà, il n'hésite pas à faire des petites techniques, les petits 1 contre 1, tout ça, il y va. Il y va un peu plus que Ali. Enfin, que Zola, donc du coup, ça peut peut-être faire du bien. Lui, Babaka ici, non, non, ok. Ok, on va changer juste la défense, même si j'ai très peur de mettre ce défenseur-là. Je me dis, ça peut être pas mal. Quoi coup, ouais, on va mettre Nil titulaire à la place de Zola. Zola qui est encore un jeune en production. T'inquiète pas, t'auras le temps, mais là je vais mettre un peu plus Nil avec Geoffrey Kondogbia qui est vraiment très à l'aise en ce moment. Du coup, let's go. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. Alors, installez-vous confortablement. On arrive tout de suite. Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Quand on aime le foot, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose. C'est parti, c'est parti. Pour ce match contre l'équipe de Dunkerque, mesdames et messieurs. L'équipe de Dunkerque, mesdames et messieurs. Let's go. On doit aller fumer. On est vraiment dans le nord de la France. À chaque fois, on fait le déplacement, les gars. Ça fait quand même un gros déplacement, se déplacer de l'Afrique jusqu'au nord, à Dunkerque. Bon, on commence à être habitué à la France, mais la France n'est pas habituée à la Centrafrique, les gars. Parce que, frère, c'est une fois dans l'année que tu te déplaces en Centrafrique en vrai pour ces joueurs-là, alors que nous, on se déplace tout le temps en France. Du coup, ça joue! Ça joue, les gars! Ça joue, les refs! Non, je rigole. Ok. Ne le lâche pas, ne le lâche pas. Voilà, excellent. Mais avec quelle facilité, les gars, il m'a effacé. C'est une dinguerie, les gars, non, non? Voilà, facilité avec lequel il m'a effacé, les gars, c'est effrayant, je trouve. Allez, Geoffrey Kondogbia, tranquille. Viens dans les pieds, toi. Tac. 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 Contrôle, passe. Passe. Contrôle. La frappe d'Hassan. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'est ça, les gars. C'est ça, c'est ça. C'est grave ça. C'est grave ça. T'as vu la possibilité? Ouf, dommage. Contre-pressing, les gars, direct, hein. Contre-pressing direct, les gars, s'il vous plaît. Merci. Bien joué. Là, c'est bon. Là, c'est pas mal. Là, je suis bien défensivement, là. Exactement, Logan. Ouais. La frappe d'Hassan, le gaucher. Allez, Nil. Ouais. But. Mais wesh, les gars. Putain, mais c'est vraiment. C'est pas des frappes de Ligue 2, c'est des frappes de district. Je suis désolé. C'est grave bien la formation, parce que là, je sens vraiment Geoffrey Kondogbia du coup plus bas que Nil. Il est vraiment en mode relayeur et Nil il est vraiment en mode milieu central. Je trouve ça grave stylé. Allez. Restez en place les gars. Surtout zéro but encaissé avant la mi-temps s'il vous plaît. Nil qui revient. Aïe aïe, il s'est fait laver, putain.
Bien joué ça. Allez, on porte le ballon un peu et on lâche. Tac, pas de risque. Geoffrey qui va chercher un côté. Non, c'est pris. C'est pas pris. On donne. Logan qui contrôle. Magnifique, il se contrôle. Sors-toi des appels, sors-toi des appels. Vas-y, vas-y, vas-y. Let's go, mesdames et messieurs. L'équipe de la Centrafrica. Les gars, balancez un maximum de drapeaux centrafricains dans les commentaires. Merci. Le but, mesdames et messieurs, du meilleur buteur. Mais lui, les gars, il marque 3. Babaka, les gars, il marque trop de buts. Il marque trop de buts. Il est trop fort. Il marque trop de buts. Vraiment, il est trop fort. Allez, c'est parti. Ok, tac. Tac. Ok, super. Super. Attention, attention. Ouf. L'arrêt du gardien. Merci, gardien. On va pas passer du gardien, les gars. Parce qu'il prend beaucoup de buts, certes, mais il est pas dégueulasse en vrai. Hein. Oh là là, il est vraiment pas dégueulasse. Oh, il est vraiment pas dégueulasse. Ouh, attention les gars, attention, 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 ça presse. Bien joué Hassan. Change de côté, Geoffrey Kondogbia, oui. Pour Logan. Exact. Oh là là les gars, j'aime quand vous jouez comme ça, vous. J'aime quand vous jouez comme ça, vas-y, Kubonjo. Aïe, 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 aïe. C'est ça que j'aime. Quand ça joue au vrai ballon. Tu vois, quand ça joue au vrai ballon, j'aime. Ok, petit crochet, pourquoi pas. Allez, on continue. On continue, on va presser, les gars. On va presser, on va presser. Voilà, Hassan qui récupère ce ballon. Hassan qui part en dribble. Le petit biggie pour Kubonjo. Non. Non, les gars. Non, Kubonjo, t'abuses. Kubonjo, t'abuses, frère. T'abuses, frère. T'es mon ref, Kubonjo. Hein. Kubonjo, t'es mon ref. Hein. Mais là, t'as abusé. T'as abusé de fou. En tout cas, mi-temps, les gars, on mène au score. C'est Centrafrica qui mène au score à la surprise générale. C'est magnifique. Ça fait 1-0. On va essayer de changer un peu les choses. Wusu qui va rentrer. Kwaku qui va aussi avoir un peu de temps de jeu. Il joue pas beaucoup. Et Zola à la passe de Babaka, le buteur. Et ouais. Let's go. Deuxième mi-temps, les gars, s'il vous plaît, jouez plus simple. Jouez, continuez à jouer simple, continuez. Calculez même pas le score, les gars. Marquez un deuxième but. On n'est pas là pour défendre ou défendre un score, etc. On est là vraiment pour abattre l'ennemi. Je sais que vous êtes capables, les gars, de faire mieux que ça. Donc vraiment, continuez à jouer avec vos capacités et allez-y. Merci, Logan. Merci, Logan. Logan est très bon. Exactement. Allez, allez. Zola qui se retourne, lui. Le centre, Kubonjo, vas-y. Aïe 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 aïe, dommage. Dommage. Le placement des joueurs sur cette action était un peu bizarre quand même. Bien joué, vas-y. Que ce soit pour mon joueur ou l'adversaire même. Ils étaient beaucoup trop bas et mal placés. Peut-être que c'est parce que c'est la Ligue 2. Allez, c'est bien les gars, c'est bien défendu les gars, c'est bien, continuez comme ça. Voilà. Voilà. Oh putain, tu t'es jeté. Reviens sur le deux joueurs, merci. Le lâche pas, le lâche pas. Le lâche pas, il fait le technicien là, il fait le technicien, le lâchez pas les gars. Voilà. Laisse-le faire le technicien les gars, il est pas impressionnant, il est pas impressionnant. Il est pas impressionnant. Voilà, voilà, c'est ça Simons. Tu vois ce que je veux dire, Simon? C'est exactement ce que je te disais depuis le début de saison. Voilà Simon, je t'ai dit. Simon, je t'ai dit, je te l'ai toujours dit frère. T'es très bon. C'est juste que des fois... Voilà Simon. C'est pas grave Simon, c'est pas grave, c'est pas de ta faute la faute là. C'est pas de ta faute, c'est grave l'agressivité que je veux que tu donnes. Tu vois ce que je veux dire ou pas Simon? Allez, c'est parti, Hassan. Hassan qui accélère. Hassan qui accélère. Hassan qui régale. Hassan qui y va. Vois, c'est que j'aime bien ce Hassan. C'est parce qu'il ose, lui.
Allez, décale sur le côté avec Simon. Simon qui déborde. Il n'a pas l'habitude de déborder. Hein. Oh, Geoffrey Kondogbia. Pied droit, t'es obligé. Voilà, pied droit, t'étais obligé, il n'y avait plus le temps. Bien joué, Geoffrey. Bien joué, Geoffrey. Les gars, on joue très bien pour l'instant. On joue vraiment très bien. Allez. On va chercher les joueurs de la tête un peu. Repoussé, oui. Zola qui contrôle la frappe de Zola. Oh là, des dommages. Bien joué, les gars. Là, on n'a pas le droit de perdre, là. Domine. La frappe d'Hassan. C'est bien, les gars. C'est bien, c'est bien. C'est bien, les gars. Allez. Restez concentrés. Restez concentrés. Restez sur vos appuis. Chacun votre joueur, les gars. Chacun son joueur. Allez. Oh, il y a une mouche là qui me dérange. Voilà, là. On n'est pas fatigué, les gars. Putain, mais va te faire foutre la mouche là. Et ouais, regardez. Ok, je ferai compte de bas, c'est très bien. Oui, oui, oui. Mais quel stop, les gars. Mais quel stop. Allez, Hassan. Je t'aime bien, Hassan. Putain, mais je t'aime, Hassan. Oui, vas-y, vas-y, toi aussi. Oui, oui. Non. Oh là 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 là, les gars. Mais qu'est-ce qu'on est bon. La nouvelle formation, elle est magnifique. Allez, Simon, reste sur ton côté. Sois pas bête. Laisse Geoffrey Kondogbia revenir au milieu de terrain, tranquillement. Ne vous jetez pas. Simon, reste sur ton côté. Reste focus sur ton côté. Voilà, tranquille. Et on se déplace avec eux. Voilà, et là, l'intervention de la défense. Tranquillement. C'est ça que j'attends de vous, les gars. Allez, la talonnade. Allez, Kwaku. Qui accélère, qui demande un appel de balle. Dans l'intervalle, oui. Il est passé. Le centre. La tête. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, vas-y, c'est pas fini. C'est pas fini. La passe en retrait, oui. Geoffrey Kondogbia, oui. Le contrôle de Geoffrey. L'enroulé de Geoffrey. Dommage, c'est terminé. C'est terminé, les gars. La victoire centrafricaine. La victoire centrafricaine. Oui, monsieur. Franchement, victoire méritée. Victoire méritée. Je suis fier de mes joueurs, les gars. Très, très fier de mes joueurs. Très, très fier de mes joueurs. Ils sont surpassés. Ils ont bien joué. C'était, voilà, c'était beau. On était une seule équipe. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a personne qui est sorti du lot. Personne n'est sorti du lot, les gars. Personne est sorti du lot, même pas Geoffrey Kondogbia. C'est vraiment toute l'équipe qui a bien joué. Archi fier de mon équipe, archi fier de mon pays. Et du coup, on va répondre aux questions du journaliste encore une fois. Dis-moi tout. Hassan a cadré trois fois, les gars. Trois fois aujourd'hui, vraiment. Quel match. Franchement, on va célébrer la performance offerte par Hassan. Merci Hassan, t'es très bon. T'es un bon gars. T'es vraiment un bon gars. Alors, Hassan a brillé sur le terrain aujourd'hui. Ses passes ont transpercé les lignes adverses et ont souvent atteint leur objectif. Bah écoute, merci beaucoup. C'est un travail d'équipe, c'est un job. It's my job, bro. It's my motherfucking job, bro. Reste un an, mais Simon n'a pas été gêné par l'adversaire. Et ouais, Simon n'a pas été gêné par l'adversaire. À aucun moment il a été gêné. On va célébrer aussi la performance de Simon, qui a été vraiment très bon. Vraiment merci, merci Simon. Merci pour vos questions. Au revoir. Ça y est à un moment donné. Ça y est à un moment donné. Oh. Bon, maintenant, les gars, dites-vous, on n'a jamais gagné à domicile en fait, à un moment donné. On n'a vraiment jamais gagné à domicile. Il y a un rapport. Il y a un rapport, les gars, par rapport aux jeunes centrafricains. Donc, du coup, on va aller le voir. Alors, un jeune joueur, ailier droit, Kwaku, 17 ans. Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Potentiel maximum, pas de ouf, hein. Donc on va devoir commencer à rejeter. Maintenant on commence à rejeter les joueurs. Quoique j'aurais peut-être dû le prendre parce que j'ai pas. On va prendre quand même les buteurs quand même, parce qu'on n'a pas trop le choix non plus. Ouais, je dois prendre les buteurs, j'ai pas le choix. C'est des postes vraiment que je ne possède pas. Il y a beaucoup trop de Zola. Hein. Donc c'est bon, toi tu t'appelles Zola, mais il y a des Zola qui sont meilleurs que toi. Lui il s'appelle Hassan, tu vois. Il y a des joueurs vraiment. Ça y est, c'est toujours les mêmes blazes. Il y en a un peu marre quand même. Il y en a un peu marre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, les gars, on va affronter l'équipe de 3. Juste avant, les gars, on va aller voir le classement vite fait. Et on va faire un petit bilan. Un petit bilan du classement.
Duel intéressant, Centrafrique contre Le Havre. Ok, donc ça peut être une bonne affiche, mais attention, ne pas sous-estimer l'adversaire Le Havre, les gars. Et ouais, ils ont raison. Ils ont raison, ne pas sous-estimer Le Havre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à se mettre sous la dent déjà? Bah ouais, il parle clairement des plus gros matchs, hein. Il parle clairement des plus gros matchs ici. On va aller voir ce qui se passe dans mon bureau. Les autres championnats. Les autres ligues. Barrage de Ligue 1. Ouais, non, pas barrage de Ligue 1, mais Ligue des Champions plutôt. Ok, Leverkusen premier. 3 matchs, 3 victoires avec Arsenal et Manchester City. Ok. PSG, Real Madrid en difficulté. Ok. Bref, nous les gars, on va continuer vraiment notre bonhomme de chemin. Actuellement, classement, ça donne quoi, les gars? On est 14e. 3 victoires, 6 défaites, 0 match nul, 18 buts encaissés. On est toujours la plus mauvaise défense du championnat. Et l'objectif, bien entendu, ça va être. Frère. Ça va être vraiment de remonter au classement un peu, tu vois? Moi, je prends pas trop espoir non plus. J'ai toujours la bonne étoile qui fait que je me dis, bon, les barrages, pourquoi pas, tu vois? Je crois qu'il faut être top 6 pour les barrages, donc je me dis en vrai, sur un malentendu, les gars, vraiment, en vrai, venons, on se pose sur un malentendu. C'est possible. Dites-moi, les gars, sur un malentendu, les gars, en vrai, c'est possible. Donc voilà, je sais pas pourquoi ne pas rêver. Alors lui, les gars, il va arriver directement, il va jouer titulaire. Gervais Hassan, les gars. Par contre, faudrait qu'il mette une qu'on ait la possibilité vraiment de modifier le nom des joueurs, parce que j'ai remarqué maintenant, c'est les joueurs africains, les joueurs centrafricains ont tous le même nom, genre Hassan, Kwaku, Zola, etc. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de répétitions dans mon équipe. Donc ça, c'est mal fait, ça, c'est mal généré. C'est bien de faire plus de 160 pays où on peut envoyer des recruteurs, mais si c'est pour mettre tout le temps les mêmes blazes, je vois pas trop l'utilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça un peu que je trouve un peu dommage. Kubanjo, les gars, du coup, ben viré, histoire qu'on mette un joueur centrafricain de plus. Donc là, ça va être Hassan ici. Ouais, ça fait 3 joueurs qui s'appellent Hassan, frère, les gars. Sérieusement, ce FIFA, wesh. Ça fait 3 joueurs qui s'appellent Hassan, là. Non, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Allez, c'est parti pour ce match contre l'équipe de 3. On va essayer de s'imposer. On est bientôt en novembre, hein. On est le 25 octobre, les gars. 25 octobre, il me reste quoi? 2 mois avant de passer en janvier. Dès janvier, on commence à négocier les contrats. On commence à essayer de prolonger nos joueurs parce que j'ai pas envie de les perdre non plus. Et ça va être compliqué, surtout pour Geoffrey Kondogbia, les gars. J'espère qu'il va prolonger, hein. Les gars, c'est le meilleur joueur. Allez, c'est parti, les joueurs arrivent. Les supporters arrivent, pardon. Dites-vous, on n'a jamais gagné à domicile. Les 3 victoires, c'est que à l'extérieur. C'est vraiment, on est maudit. Donc là, j'espère vraiment qu'on va s'imposer pour nos supporters. Let's go, c'est parti. Je vous laisse écouter l'hymne du club, l'hymne national de la République centrafricaine. C'est parti, let's go. C'est parti les gars, on est toujours la plus mauvaise défense, hein. C'est très inquiétant. Après on n'a pas pris de but lors du dernier match, donc ça c'est un peu rassurant. Et voilà, on est toujours la plus mauvaise défense. Là on est très concentré. Vous avez vu le regard du coach les gars, il sait très bien ce qu'il veut. Il sait très bien ce qu'il pense. Attendez, mais j'ai pas les gars pour mettre mon maillot s'il vous plaît. Je vais simuler. Parce que là c'est vraiment la même couleur du maillot. Ouais, je vais simuler les gars. Je vais simuler. Et les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Pourquoi FIFA n'a pas généré un truc qui fait que. Mais t'es marre. Pourquoi FIFA n'a pas généré un truc qui fait que ça détecte les maillots qui se ressemblent et basta. C'est pas à moi tout le temps vérifier les maillots. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? En fait, j'ai plus l'habitude de vérifier les maillots. C'est pas mon job, en fait. Moi, j'ai confiance en FIFA. Je me dis, ils vont faire le taf. En fait, non. Ils font pas le taf. C'est un truc de fou, frère. Et ils sont quoi à pas être contents, là? Ali qui demande à avoir plus de temps de jeu. Frérot, t'es pas si bon que ça. Mathéo, toi aussi, continue à travailler. Hassan, qu'est-ce qu'il y a?
Murving, peut-être plus tard. Bah ouais, les gars, arrêtez de me casser les couilles là. Putain, les mecs, on dirait que c'est eux les coachs, quoi. Voilà, défaite stupide, vraiment. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc là, tout le temps, il faut vérifier. Donc là, Guingamp, je pense qu'ils vont jouer en rouge. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vérifier, mais ça devient chiant, les gars. Hein. Ça devient vraiment très chiant, là. Ça devient vraiment chiant de fou, là. Allez, 1er novembre. 1er novembre, let's go. On va affronter cette équipe de Guingamp. Ah, mais non, mais je peux vérifier là-haut, mais c'est chiant. Guingamp contre l'équipe centrafricaine. Dites-vous, on a 50% de victoire à l'extérieur. Donc on est Ça y très, est, très c'est dangereux bon, à on peut l'extérieur. s'installer confortablement et de profiter de Ça, ce c'est aussi moment d'arrêt. une bonne On nouvelle. arrive tout de suite. On est au moins dangereux quelque part, quoi. Au moins ça. Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est Bonjour parti. Guingamp. Évidemment, vous êtes C'est là tous parti les deux. l'entrée des Ça joueurs. risque de vous plaire. Nous sommes en Quelle Bretagne, chance vous avez face à d'arriver l'équipe de à Guingamp, l'extérieur. mesdames et messieurs. On se doit de s'imposer après cette défaite stupide. Aujourd'hui, avec J'ai votre pas envie de équipe, perdre vous encore des êtes points. sûr, C'est évidemment, parti, les gars, let's go, allez. on a envie de vivre ce genre de match. Allez. Guingamp, un nouveau match à vous proposer. Voilà, Geoffrey, Avec bien le joué. football, ce n'est jamais pareil. Bien joué. Le Bien suspense joué. est toujours garanti. Vous êtes vraiment des goats, les gars, bien joué. Oh là là, passement de jambe Guingamp mal placé veut quand même. développer cette offensive. Ok. T'as le ballon. Exactement. On va juste changer un truc. J'ai pas compris pourquoi ils ont changé. Hassan et Hassan. Je préfère plus ce Hassan là en milieu offensif. Et l'autre qui provoque du coup. Dites-moi les gars si vous pensez que les deux Hassan là, ils méritent d'avoir de nouvelles crampons là. Même Logan, j'aime beaucoup Logan, sa manière de jouer. J'aime beaucoup Logan. Hop, Colombien. passe en profondeur, oui. Cette Ali. frappe Ali, passe mon jambe. Guingamp Ah! est en faute. Pas ici, Ali. En plus, Ali, c'est un joueur simple. Il a que 3 étoiles de geste technique en vrai. Guingamp. Donc, faut que j'arrête de tenter ce genre de choses avec Ali. Et voilà Guingamp qui s'installe dans le camp adverse. Hors jeu. Hors-jeu dans la profondeur. Une bonne La transmission. hors-jeu? Mais wesh. Metzola. Ok. Pour l'instant, ils sont chauds à Guingamp, les gars. Après, oui, ils sont 12e, Guerre. etc. Mais ils sont quand même très chauds. Ok, ballon contré. Pas assez contré. Le joueur ressort. Rüdiger. Ok. Allez, pourquoi pas là? Ok, Logan te jette pas. Hein. Y'a rien, y'a rien, monsieur l'arbitre, y'a rien, y'a Rüdiger. rien. On va arrêter de siffler des fois pour rien du tout. Peut-être un coup de tête. Oh oui, c'est bien Mais je joué. suis bloqué. Un coup sur la frappe peut-être. Et Putain, mais Guingamp c'est dingue ça de ouvre. pas avoir de physique. C'est parti, Ali. Qui porte le ballon, tac. Hassan. Bien sorti Putain, par Hassan. Guingamp. Rentrez-leur dedans là. On les regarde jouer, les gars. Bien joué ça. Par contre, j'ai pris un risque de fou là. C'est parti. Ali, qui a le ballon. Le bloc équipe joue bas pour forcer l'adversaire à découvrir. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Guingamp à l'appui. Bien joué, Geoffrey Kondogbia. Qui décale sur le côté. Hassan avec son Guingamp pied gauche, il peut y aller. s'élance. Tour de frappe et ça frôle le Bien joué, but. les gars. C'est ça, les gars. C'est la Centrafrique. Ça, c'est la Centrafrique. Simmons, du coup, qui va être remplacé, il est fatigué. Simmons. Simmons, arrière gauche, Guingamp qui fatigué. enchaîne avec ce Ça changement. sort. Moi, je veux des joueurs à 100%. Je veux des joueurs à 100%. Allez, c'est parti. Neal. Ouh là là, Neal, wesh, le physique, Neal. Ah, faut y aller, Neal. Hein. Personne va y aller à ta place, Neal. Vraiment personne. Rüdiger. Personne, ma vie, personne. Voilà, excellent Logan. Logan, moi j'aime beaucoup les gars. Franchement, il évolue de Allez, fou. quel forfait.
Il évolue de fou, les gars. Oh, bien joué, Kondogbia. Bien joué, Kondogbia. J'aime beaucoup ça. Allez, il prend la vitesse. Je ferai Kondogbia, le capitaine de cette équipe qui accélère. La passe pour Logan. Vas-y, viens. Hop. Bien joué, ça. On y va. La frappe de Logan. C'est tenté, hein. C'est tenté, c'est tenté. J'aime beaucoup Logan. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'est tenté. C'est tenté. Ça aurait pu rentrer. Ça aurait pu être puissant. C'était puissant. Pardon. C'était puissant, mais c'est pas rentré. Bien joué. Ouf, bien joué ça, ce pressing. Allez, Babaka qui continue à presser. Et c'est la mi-temps. Bien joué les gars, on là pour l'instant on se bat vraiment comme des bonhommes. Je sens qu'on peut marquer. Je sens qu'on peut prendre l'avantage, on peut prendre les 3 points. Restez juste concentrés. Continuez à pas vous jeter. Continuez à faire votre jeu et je suis sûr qu'on va réussir. Vraiment, je suis sûr qu'on va réussir. Babaka qui va sortir. Lui qui va passer là et lui qui passe là. Les gars, c'est parti, let's go. Je compte sur vous. Allez les gars. Tac. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant c'est de voir. Allez, Geoffrey Kondogbia qui a le ballon. Bam, bam. Ah mais lui c'est plus compliqué hein. Depuis qu'il est passé seul attaquant les gars, c'est il tire pas beaucoup. Il tire pas beaucoup. Mais c'est un bon pivot parce qu'il est grand. Allez, Geoffrey Kondogbia. Oh, bien joué ça. Vas-y. Oui. Non. Logan, tu dois faire mieux. Tu dois faire mieux, Logan. Je sais que, voilà, t'étais à bout de course, tout ça, etc. Mais tu dois la redresser, cette balle. Parce que là, il suffit juste de te donner un fond pour la redresser. C'est but, hein. Oh là là, seigneur. Mais voilà, frère. Putain, mais c'est un truc de fou. Sur des petits détails comme ça, on perd les matchs. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Ouais, but. Mais oh, donne-toi à fond, frère. Hassan. Oh là là. Allez. Bien joué. Bien joué, Hassan. Tu l'as vu là-bas. Oui. Oh, dommage. Attention, le marquage, les gars, le marquage. Mais wesh, les gars, ils se baladent, les gars, ils se baladent. Mais waouh. Putain, mais c'est pas normal. Neil, c'est à toi d'y aller. Putain, t'es arrière gauche. Faut tout leur dire, faut tout leur dire. Faut tout leur dire. Eh vas-y, pénalty. Pénalty, main dans la surface. Merci, gardien. Allez. 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 On y va, Hassan. Bien joué, Hassan. On doit bien. Aïe, 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 aïe. Allez, les gars, allez, les gars, on y va, on y va, on y va. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Oh putain. Oh là là les gars, continuez, continuez, c'est bien. Vous me régalez là. C'est quoi cette tête de con là? Mais non les gars. Ah c'est bon, on met la pression, on met la pression, on met la pression. 15 minutes les gars. Ali qui demande le ballon. Je ferai Kondogbia. La frappe. Puis, vas-y frère. A chaque fois, je crois que Geoffrey Kondogbia, c'est un gros joueur en termes de frappe et tout. En fait, pas du tout, les gars. Il a vraiment que la puissance de frappe, mais sinon, en termes de but, de loin, tout ça, etc., c'est pas Steven Gerrard. Hein.
Et je suis là, je joue comme si c'était Steven Gerrard. Alors que pas du tout. Bien joué ça! Vas-y Hassan. Vas-y Hassan. Mes frères. Ah! Allez, on y va. On y va. Merci. Allez les gars, 10 minutes. Juste 10 minutes. Juste 10. Wesh. Wesh. Dommage. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez, on continue les gars, on continue jusqu'au bout. Pas de regret les gars, jusqu'au bout. C'est notre devise les gars, aucun regret. Donnez-vous à fond, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond. Pouah, le bâtard, il est passé. Ah, il est technique, hein. Il est technique. Ah ouais, mais les gars, si la défense n'est pas coordonnée. Encore une défaite, frère. Putain, encore une défaite. Les gars, j'en ai marre de perdre tout le temps. Et vas-y, elle va donner un carton rouge. Fais, vas-y, frère. La frustration. Oh, mais ça y est, c'est fini, là. C'est fini, madame. Ça y est. Elle est là, elle distribue, frère. Ça y est, c'est la fin, là. C'est fini, frère. Oh, Geoffrey Kondoma, il est vénère, hein. Il est vénère, Geoffrey Kondoma, là. Il veut rien savoir. En vrai, c'est frustrant. Ça joue à rien à chaque fois. On est là, on se la donne. On se tue. On se tue à la tâche. Et ouais, c'est dur, hein. C'est dur, les gars, qu'une victoire dans l'épisode d'aujourd'hui. Franchement, c'est dur. Alors, pour faire un tour là, déjà, je manque de gardiens. Donc ça, c'est vraiment dommage. En termes de joueurs, les gars, tous mes joueurs, ils ont 14 ans ici. Tu vois, j'ai hâte qu'ils se développent. Surtout les meilleurs. Donc, il y a lui qui sera Eli, il s'appelle Kwaku. Et son frère, du coup, milieu défensif. Il peut monter aussi jusqu'à 83 de général. Donc là, les deux, pour l'instant, voilà, je fonde vraiment un avenir sur les deux là. Même si c'est pas ouf non plus, 83 de général, mais au moins, c'est déjà un bon début. En sachant que le meilleur joueur, déjà, c'est Geoffrey Kondoma avec 79 de général. En termes de classement, les gars, ouais, ce que je disais, les gars, c'est qu'on est 16e. 3 victoires en 11 matchs, c'est très compliqué, on est la plus mauvaise défense. L'objectif, c'est au moins de terminer dans une place en playoff, pourquoi pas. Et ouais. C'est juste ça, place en playoff, mais bon, ça va être très compliqué cette année. Je pense que on devra plutôt miser sur la saison prochaine. Par rapport à la Coupe de France, les gars, on en est où? On en est où, les gars, par rapport à la Coupe de France? Je pense qu'on est... Bah, on n'est pas dedans, je dirais. Hein. Oh, on est grave pas dedans, les gars. 7e tour, on n'est pas là. Les équipes de Ligue 1 sont pas encore rentrées, mais je pense que nous, on est déjà éliminés. Dans mon bureau, les gars, classement des meilleurs buteurs. Classement des meilleurs buteurs, j'ai du coup aucun joueur de mon équipe. Je vais descendre un peu. Ah, il y a Mafuta, les gars. Mafuta, les gars, c'est un joueur centrafricain, mais je l'ai pas recruté. Mais attends, pourquoi je l'ai pas recruté? Parce qu'en vrai, il peut être bon dans mon équipe. Hein. Les gars, Mafuta, c'est quand même un attaquant qui a plus de 60 de général. Sachant que mon attaquant actuel, il a 59. Donc en vrai, il y a moins que je le recrute. Je vais aller voir dans accueil transfert. Mais oui, largement les gars, faut que je le recrute les gars. Il a presque 70. Il a presque 70 les gars, Mafuta. Très intéressant. Mafuta, 69 de général les gars. Allez, on va proposer un petit 2 millions. 2 millions pour s'attacher les services de Mafuta, qui joue très bien en ce moment avec Amé en plus. Et voilà, l'offre est équitable, l'offre est acceptée. Allez, on va négocier directement avec le joueur. Let's go. C'est quoi, je vais négocier moi-même. Mafuta, Mafuta. Comment vas-tu? Asseyez-vous, monsieur. Asseyez-vous, monsieur Mafuta. On va discuter. On va discuter. On a un projet avec la Centrafrique. C'est vraiment de réunir voilà, les meilleurs joueurs centrafricains.
de faire une équipe capable de d'abattre, tout simplement. On propose un contrat de 3 ans pour toi. Ok, il a accepté 3 ans, les gars. Il a accepté 3 ans. Et c'est bon, c'est nickel, ça a accepté. Mafuta, les gars, on passe vraiment d'un attaquant à 59 de général à un attaquant à 69 de général. Je sais pas si vous réalisez, c'est quand même 10 de général de gagné. Ensuite, lui, bon, il n'est pas si bon que ça, les gars. Il a 62 général, j'ai déjà des joueurs à 65. Il y a Lambé aussi. Lambé, les gars, qui peut très bien venir jouer chez nous. Hein. Il est remplaçant, les gars, à Rennes. Je pense que chez nous, il serait pas mal en vrai. Ensuite, recherche de joueurs. Des joueurs centrafricains, est-ce que ça existe là en vrai? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs centrafricains dans ce jeu que j'aurais dû recruter? Parce qu'on va voir dès maintenant. Lui, c'est un joueur libre. Là, on va l'observer. Lui, joue à Guingamp, 59 de général. Bon, c'est pas fou. Lui, on va l'observer aussi. Lui, on l'a déjà observé. Et lui aussi, il joue à Servette. On va l'observer. Nickel. Et là, en ce moment, il y a mon recruteur qui cherche du coup des joueurs. Des joueurs qui pourront intégrer le club. Donc, let's go quoi. Donc là, il cherche quoi? Il cherche un défenseur central, un ailier droit, un attaquant de pointe et un ailier gauche. Tu sais quoi, on va continuer à le laisser chercher et on verra bien ce qu'il va nous ramener. Allez, maintenant c'est parti. On va enchaîner avec un nouveau match. On va jouer contre l'équipe de Martigues, pardon. Ils sont 13e, on est 16e, donc je pense qu'il y a moyen. Les gars, dites-vous, on n'a jamais gagné un match à domicile encore. On n'a encore jamais gagné un match à domicile, ça devient vraiment inquiétant. Alors, l'offre pour Lambé, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils ont accepté. Ouais, ils ont accepté. Du coup, on va discuter avec lui. Tac, j'ai envoyé mon recruteur. Discuter avec lui. Enfin, mon directeur sportif, pardon. Et je pense du coup que bah, ça va passer. Il n'y a pas de raison à ce que ça passe pas. Normalement, c'est un joueur qui espère jouer, quoi. J'espère. Martigues. On va jouer contre Martigues, les gars. Donc, tac, qu'est-ce qu'il a accepté? Ah, il est encore en train de réfléchir? Ok. On va le laisser réfléchir, il n'y a pas de souci. En attendant, nous, on a un match. On a un match à gagner. Voici la formation, les gars, pour ceux qui ne se rappellent pas de l'équipe. D'ailleurs, je vais changer de formation. Je vais changer les Hassan, là. Il y a un Hassan qui est plus à l'aise milieu offensif que l'autre. Donc, du coup, ça, on va changer. À chaque fois, je me trompe. C'est dans composition qu'il faut aller. Voilà. Ce Hassan-là, les gars, il est très bon sur le côté. Il est déjà passé à 61 de général. J'aimerais bien qu'il monte à 5 étoiles lui aussi. 74 de vitesse quand même. C'est déjà ça. Bref. En tout cas, très très bon joueur. Et j'espère qu'il va continuer à se développer au sein de l'équipe. Allez, c'est parti, let's go. On va retrouver cette équipe de Martigues. On va vraiment essayer de les fumer là. Ok, remplacement automatique. J'ai pris un carton rouge. J'ai pris un carton rouge lors du dernier match. J'étais vénère, ne me demandez pas pourquoi. Mais c'était assez frustrant en tout cas de perdre encore une fois un match. Et du coup, je me suis un peu lâché quoi. Là, on va affronter une équipe à domicile. Ambiance à domicile qui sera sûrement au rendez-vous. Et on espère vraiment que ça soit la première victoire de l'histoire de mon club de la Centrafrique. On va se retrouver la première victoire, les gars. C'est parti, on se concentre. La musique d'entrée. Let's go, les gars. Let's go, let's go. RCA qui veut dire République Centrafricaine, mesdames et messieurs. La République Centrafricaine très bien représentée dans ce FIFA. On va essayer de faire la différence. On va essayer de les bouffer là. Allez les gars. On peut le faire. Centrafrique FC contre Martigues. Allez les gars. Ok. Ok. Bien en place pour l'instant, tranquillement. On est sur nos appuis. Là, faut être agressif, hein. Là, tu dois passer devant.
On se jette pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ça le problème, c'est qu'on est trop gentil et que moi je décroche souvent de mon poste. Donc là, j'ai pas décroché cette fois-ci. Ah, faut venir les gars. Faut pas se cacher. Hein. Arrêtez de vous cacher là. Eh ouais les gars, vous vous cachez là, putain. Vous cachez les gars. Bien joué le Geoffrey Kondogbia. Tac, tac. Allez, Geoffrey Kondogbia. Mais non, mais les gars, arrête de te cacher là. Putain. Oh, ça rend ouf, ça fait deux fois qu'il se cache celui-là. Oh là là, mais pourquoi il avance? Pourquoi il a avancé? Non, mais c'est quoi cette équipe? Sérieux les gars, wesh. Faites un effort. Oh, ça rend ouf ça. Les mecs ils se cachent. Ils tiennent pas leur marquage. On dirait des cassos là, sérieux là. Et voilà, le mec, oh là, il est pas du tout rapide. Allez Geoffrey. Oh là là, Seigneur. Seigneur. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les gars? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va jouer comme des Golemons là? Toute l'année là, vraiment? Voilà. Ouais mon gars, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Y'a rien. Pouah, il saute tout seul. Ça rend ouf. Les gars, ça rend ouf. Cette carrière, en fait, elle va me rendre tendu parce que on fait que de perdre, vraiment. Je vous dis la vérité, les gars, on fait que de perdre. On est la plus mauvaise défense. Vraiment, ça rend ouf. Toujours les mêmes buts encaissés, des buts de con. Des buts où vraiment l'adversaire profite de chaque erreur défensif. Crochet, frappe. Voilà. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, allez, allez, bats-toi, bats-toi. Mais bats-toi, Nil. C'est dingue. Allez, changement de côté, tranquillement. Tac, Simmons. Tac, Zola. Zola qui revient derrière. On revient derrière. On garde ce ballon, les gars. Rendez-vous disponible, s'il vous plaît. On roule. Dommage, c'est ça les gars, c'est ça, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as essayé. C'est pas rentré, c'était bien frappé, c'était bien tendu. C'est pas rentré, c'est pas grave. Mais continuez les gars, s'il vous plaît. N'arrêtez jamais de tout donner pour le club. Frappe. Putain mais les gars, c'est abusé. Non, là, c'est abusé, là. Là, c'est un pranks. Il l'aura pas. Bien joué. Il n'y a pas faute en plus. C'est nickel. Allez. On revient derrière. On a le ballon, les gars. On a le ballon en ce moment. On a le ballon. Rassurez-vous. Tac. Viens, dans les pieds. Tac. 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 Encore. Tac. Oui. Oui. Putain, mais c'est abusé. C'est vrai que c'est compliqué d'enrouler pied droit avec Kondogbia, mais des fois le contrôle faut enchaîner. Allez, c'est bien ça. T'es plus grand. Mais t'es plus grand, mais applique-toi. Oh, c'est dingue. T'es plus grand que tout le monde, frère. À un moment donné, il a mis 0 but à la tête, le gars. Allez, c'est pas grave. Ouais, ouais. Oh là là. Non les gars, franchement, ils sont en train de nous donner le match. Et nous on est là, on les regarde comme des cons. C'est une dinguerie. Frappe. Ils sont vraiment en train de nous donner le match et nous on les regarde comme des cons. On est d'accord les gars. Je suis désolé. On fait n'importe quoi. Diane qui va rentrer à la place de lui. Il faut un gars, les gars, qui rentre à l'air droit. Parce que lui, il est fatigué. Et Nil qui va rentrer.
à la place de lui. Donc tac, lui il passe à gauche. Et tac. Allez. Pas le choix les gars, deuxième mi-temps, faut y aller là. Faut y aller, faut planter, faut être efficace devant les gars. Allez. Gardez pas ce ballon ici. Arrêtez de jouer comme des mauviettes les gars, allez-y, on y va. Voilà, voilà. Voilà, extérieur du pied. Oh mais les gars, c'est un truc de fou. On n'y arrive vraiment pas là. Allez, c'est bien tapé, c'est bien tapé. Bien joué. Putain, la feinte, elle était lente. Ok. Ok. Hop. Ils vont ressortir sûrement, même pas, ils ressortent pas. Ok, nickel. Vous jetez pas, les gars. Vous jetez pas. Merci. Ça part. Ça part. Geoffrey, Contobia, qui va mener peut-être l'équipe à la victoire. Wow, monsieur l'arbitre! Je suis pas sûr que ce soit légal ça. Les gars, c'était légal ça? Ouais. Oh putain, j'aurais dû frapper. Bien joué ça. Mais c'est légal! Arrête! Arrête, frère! Wouah! Wesh! 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 Je prends le ballon, y'a même pas faute! Oh les gars, je suis choqué. Et je comprends l'énervement du. Mais c'est une dinguerie, wesh les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ce jeu est dégueulasse. Ce jeu est dégueulasse. Et du coup, il y a un trou dans la défense. Bah oui. On y va. On s'en fout, les gars. On y va. On s'en fout, on y va. Oui. Contrôle, frappe. Une fois que t'as de l'espace et que tu peux taper, t'arrives pas à la mettre toi aussi là. Allez, vas-y, fini. Let's go. Let's go les gars, il a marre de perdre à domicile. On ne perd plus à domicile. On ne perd plus à domicile. On ne perd plus à domicile. Oui. Je dis oui. Je dis oui les gars. On ne perd plus à domicile, ça y est, c'est fini ça. C'est fini là. C'est fini ces conneries. On ne perd plus à domicile. Allez, on y va les gars, on y va. On perd pas à domicile les gars, ça y est. Allez, on y va. Alingi. Attention parce qu'il y a un but qui vient d'être marqué sur un autre terrain, c'est sur le match de Clermont. Et oui, c'est le troisième but pour Clermont Foot. Le score le voici, 3-2. On joue ici depuis exactement. Voilà. Parce que tu me crochet, t'es passé mon gars. T'accélères. La passe, oui. Oui. Le contrôle est magnifique, oui. Ah putain, putain, putain. Ouais. Ouais. But. Hassan, les gars. Hassan, les gars. Hassan, les gars. 10 contre 11. Tac, je me suis appuyé avec lui, les gars. Je vous ai dit, c'est un bon pied voulu. Tac. Et but. Magnifique. Magnifique. Maintenant, on va modifier la formation. On va mettre un défenseur. On va sortir le buteur. On va clairement sortir le buteur. Malheureusement pour lui. Et on va mettre un défenseur en plus. Objectif vraiment, les gars, maintenant tenir. Tenir, tenir, tenir ce score-là. Le match est bientôt fini. Il reste 15 minutes. Vraiment tenir le score, les gars, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Soyez juste bien placés. C'est juste du placement en fait. C'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. Voilà, merci monsieur. Très bien défendu. Tac, Hassan qui accélère. Hassan qui prend de l'espace. Hassan qui sert de l'appel. De Kubanjo. La passe pour Zola. On revient avec lui. Voilà, on temporise un peu.
On demande du soutien derrière, tranquillement. Soutien qui arrive. Voilà, on change de côté. Je fréquente Dobia. Ok, nickel les gars, nickel, c'est bien. C'est bien. Est-ce que ça va être la première victoire à domicile? Wesh les gars, oh! Oh! Non les gars, non! Non, 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 non! Bah non les gars, wesh! Hors jeu. T'as les gars là! Tranquille. J'ai pris compte de bien. Qui va du coup rester en défense. Zola qui accélère. Zola la passe sur le côté. Passe en retrait maintenant. Balle en profondeur. Pour Zola. Contrôle de Zola. La frappe croisée de Zola. Aïe 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 aïe. Il aurait pu mettre KO ce match et c'est terminé. C'est terminé. Victoire. La toute première victoire à domicile. Dans les terres africaines, les gars. Première victoire à domicile sur le terrain africain. À Bangui, dans la capitale de la Centrafrique. Victoire 2-1, les gars. Ils nous ont grave donné le match. Ça aurait été vraiment une honte de pas gagner, vraiment. Ça aurait vraiment été une honte de pas gagner. Allez. Maintenant, on continue. On a gagné le premier match. Faut vraiment enchaîner. Là, cet épisode-là, je veux vraiment un maximum de victoires. Je veux que ça enchaîne. Je veux vraiment que ça enchaîne. Négociation avec Lambé. Là, tu vois, Lambé, il a vu le match. Donc, je pense qu'il va se dire, ah, faut que je signe. Faut que je signe, c'est une bonne équipe. Je suis sûr que c'est ce qu'il va se dire, les gars. Et Paris FC contre PSG, j'ai vu, là. Intéressant. Alors du coup, 8 jours, 9 jours, etc. Bon, Lambé, il s'est pas décidé, toujours pas. Ah. Oh là là là, j'aime bien quand le recruteur il revient avec des nouveaux joueurs. Du coup, bah, moi je prends que les joueurs qui ont vraiment un potentiel. Donc lui, 14 ans, Gervais, franchement il y a moyen que je le développe. Lui aussi, il y a moyen que je le développe. Potentiel avec jusqu'à 80... potentiel les gars, 92, hein. Potentiel 92, les gars, retenez ça. Le potentiel 87, ça peut être pas mal. Ouais, mais il s'appelle Hassan, ça le problème. Ouais, en fait, il y a des noms où vraiment, non, je peux plus. Là, tous ces noms, je veux bien, ils sont bons, tout ça, etc., certains, mais je peux plus. Je peux plus, c'est des noms que je vois tout le temps. Zola, Kouakou, Hassan, non, c'est trop, les gars. C'est trop. Faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des cons. À un moment donné. Alors, centre de formation. L'équipe des jeunes maintenant, à quoi elle ressemble? Voici mon centre de formation. Donc lui, il a 57. Ouais, mais frère, 57, ok. Potentiel maximum à 92. Mais le problème, c'est que il y a trop de joueurs. Il y a trop de Zola en fait. Regardez, hey, les gars, c'est que des noms qui se ressemblent. Kouakou, Hassan, j'ai déjà 3 Hassan dans mon équipe. Zola, j'en ai déjà 2 ou 3. C'est chiant quoi. Je pensais pas que ça allait être comme ça, hein, personnellement. Je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça, les gars. C'est chiant de fou là. Oh non, c'est chiant de fou. Je sais pas quoi faire. Vraiment, je sais pas quoi faire. Allez. On va continuer. Notre petit bonhomme de chemin. En tout cas, là, on arrive. On est 13e. 13e au classement avec 12 points. Avec 12 points, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux là? 12 points, on a 8 points de Bastia, qui est 4e. En vrai, c'est tout ce qu'on. C'est le seul truc en fait. Bastia 4e. Super. Allez. On va avancer encore un peu. Ça va bien se passer. Alors, aujourd'hui, Rodez contre Centrafrique. Ça va bien se passer.
Qu'est-ce qu'ils ont dit sur le match? Ils ont dit duel intéressant en vue. L'équipe de Rodez a peut-être l'avantage, mais attention à ne pas sous-estimer l'adversaire Centrafrique. Donc les supporters qui disent on va gagner, on va gagner, on va gagner. Je vois qu'on croit en moi. Surtout par rapport à les gars au dernier match. Attends, malheureusement, une occasion et son agent dans l'impasse car nous n'avons pas pu trouver un accord contractuel que nous avons fixé. Ils ont considéré que leur possibilité était trop basse et qu'elle n'était pas disposée à aller plus loin. Ok, il n'y a pas de souci, les gars. Donc là, le gardien, il n'a pas signé. Le gardien n'a pas signé, il n'y a pas de souci. Les gars, sans rancune, tu veux pas aider ton pays, tu veux pas développer ton pays, il n'y a pas de problème, frérot. Il n'y a aucun problème, frérot. T'inquiète pas. T'inquiète pas, mon ref. Hassan qui monte à 66 de général, du coup. Logan qui monte à 62, c'est génial. Donc là vraiment on commence vraiment à avoir une équipe qui évolue. Une équipe qui commence à pousser des ailes. C'est nickel, c'est tout ce qu'il me fallait. C'est vraiment tout ce qu'il me fallait. Donc là on arrive à Rodez. Rodez c'est dans le nord de la France. On arrive en avion de Bangui jusqu'à Rodez. Et on est là vraiment pour choquer. On veut juste choquer. On veut juste choquer l'adversaire. C'est parti, Geoffrey Kondogbia qui rentre, du coup. Menton levé, torse levé, narine dilatée. Et du coup, c'est parti. Allez, tac. Tac, on décale sur le côté, Logan. Directement, les gars, c'est l'attaque, hein. Faut les choquer. Faut les choquer, les gars. Le contre-pressing direct. Voilà. Ballon récupéré très haut. Ça joue simple, directement. Tac. Changement de côté. Oui. Ça va dédoubler. Exactement. Le dédoublage, il n'était pas archi précis. Faut vraiment s'améliorer en passe, les gars. C'est un peu le baba, les passes, hein. C'est juste le baba du football. Alors, je demande pas grand-chose, les gars. Je demande vraiment pas grand-chose. Je demande juste des passes précises, quoi. Des passes qui arrivent à destination, s'il vous plaît. C'est quand même des joueurs professionnels. Je suis là, merci. Allez, les gars, la prochaine fois, il faudra resserrer ça, les gars. Faut pas qu'il tire. Allez, bam. Ça part. Oh non, dommage. J'ai pas réussi, les gars, putain. J'ai pas réussi avant qu'il soit hors jeu. Oh là là. Putain! Ça joue à rien. On y va. Bien joué. C'est ça, les gars. Vous avez bien combiné comme vous avez pu. Elle était dans la surface de réparation. Oh là là, dommage, 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 dommage. Bien joué, Hassan, c'est ça. C'est ça, Hassan. Prochaine fois, t'enroules. Tu feras pas juste comme ça, t'enroules et ça rentrera. Hassan, vraiment, c'est vraiment le joueur qu'il pense être, hein. Il est sérieux, il est chaud, il est collectif. Alors qu'il peut être. Il peut être casse-couille, tu vois. Il est quand même technique, il a quand même les 5 états de gestes techniques, mais non. Il fait vraiment les gestes qu'il faut. Il se bat pour l'équipe. Hassan qui rentre et qui frappe. Non! Non, Hassan! Non, Hassan! L'extérieur du pied de Ali. Oh là là, non, Hassan, Hassan, Hassan. Je commence à faire tes louanges, frérot. Je commence à dire que t'étais trop chaud là. Mais. Oh, j'aurais dû lui rendre. J'aurais dû lui rendre, les gars. Oh, ça fait deux grosses actions là. Franchement, il y a la place contre Rodez. Les gars, il y a la place contre Rodez. On va le faire, les gars. Faut vraiment qu'on représente l'Afrique là. Vraiment, comme on joue comme si tout le pays était derrière nous, les gars. Allez, c'est parti. Oh là là. Oui. Oui, monsieur. Excellent tacle. Je ferai compte de bien. Plus les matchs passent et plus je me rends compte que. Il n'est pas aussi indispensable. Donc, si décide de ne pas prolonger, les gars, c'est pas la fin du monde non plus. C'est pas lui qui fait l'équipe, hein.
Certes, c'est le capitaine, certes, c'est le meilleur joueur de l'équipe, tout ça, etc. Mais regardez, les gars, comment ça joue. C'est vraiment toute l'équipe qui joue bien. Et pas juste monsieur Geoffrey Kondogbia, qui a du coup décidé de signer seulement un an dans cette équipe. On ne sait pas s'il va prolonger. Le capitaine de centrafricain. Ce serait quand même dommage de le perdre. Bien joué ça. Allez. Tac. Dans les pieds. Tac. 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 Ouais mon gars. T'es parti. Oui. Bien joué les gars. Oui. Oui. Donne-lui. Oui, but. Non les gars, c'est trop wesh. Putain, mais ça a abusé. J'ai pas l'espace pour taper. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on va trouver la faille, les gars. C'est sûr. Ça, c'est impossible que ça se finisse comme ça. Putain, heureusement que j'étais là après le coup de sifflet. Hein. Parce que là, c'était rouge. Hein. Connaissant les arbitres du jeu, vous savez très bien que ça, c'est rouge. Vous le savez. Vraiment, vous le savez, les gars. Ce zoo là il a l'air bon aussi. Je vais tester ce zoo là. Il a quand même 73 de général, il a à peine 16 ans. Donc il peut apporter des choses. Il peut vraiment apporter des choses. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Geoffrey Kondogbia qui est bien sur ses appuis. Voilà, le ballon est bien pris, c'est parti. Tac, c'est récupéré. Ça part de l'autre côté là-bas. Oui. Allez, on y va. T'es plus rapide. Voilà. Il a mis la pression. Aïe, aïe, dommage. Ouh. Dommage. J'aurais dû taper un peu plus. Je sais pas. Peut-être avancer, je sais pas, mais j'ai pas eu confiance de fou en ce joueur, je vous avoue. Allez, lâche ton ballon, oui. Changement de côté, oui, avance. Ouah, mais les gars, ouais, je fais un effort. Ok. Par contre, le marquage, hein. Mais moi, vraiment, comment je suis éclaté en défense. Je pense que sur fut, les gars, je me ferais vraiment défoncer. Oh, magnifique ça. Vas-y, accélère. Oh là là, putain, mais. C'est dur. C'est dur de fou. Vas-y, c'est parti. Maintenant, voilà, fini, merci. Oh. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Les gars, rassurez-moi, c'est pas possible. Excellent contrôle, Hassan, qui joue avec son. Oh là là, mes frères! En fait, que faire? Que faire? Ça rentre. C'est une dinguerie, frère. Oh non. Oh non, les gars, c'est une dinguerie. Je comprends plus rien là. Je comprends vraiment plus rien là. J'ai 10 000 occasions, les gars. Eux, il leur faut juste une action pour marquer. Eux, il leur faut vraiment juste une action. Voilà, c'est bon. Allez, on se lève, les gars. C'est parti, let's go. Il est décisif, cet arrêt. 1,
Bien joué. Ouais, mais frère, si tu mets pas assez de puissance. Je peux rien faire, les gars, ils sont 5 en défense, j'ai pas d'espace. Putain. Oh, ça me vénère, les gars, ou non? Oh là là, je me suis trop jeté. Ouais, le bâtard. Voilà. Oh putain, allez. Sortez les gars, sortez, sortez, sortez. Pitié, allez. Wow. Putain. Ouais, ouais, les gars, c'est fini. La première saison va être vraiment être compliquée. Hein. La première saison, les gars, sera vraiment compliquée. Ça va être vraiment mental. C'est vraiment compliqué de fou. Compliqué mentalement, compliqué. Le temps de comprendre le jeu, de. C'est une dinguerie. Il a quand même été élu homme du match, les gars. Hassan, très très bon joueur. En vrai, il est bon. Il est très très bon, les gars, Hassan. Très très bon, hâte de voir ce qu'il va faire plus tard. Hâte de voir ce qu'il va devenir, hâte de voir ce qu'il va apporter. Il est très très bon. Donc là maintenant c'est Laval contre Centrafrique, on est vraiment chez eux. Ils sont 7e, on est 14e. On n'est pas du tout favori. Je me demande comment on regarde pour les autres championnats, comment ça se passe. Voilà, ah c'est dans l'autre championnat tout simplement. Alors, ok. Que se passe-t-il en première ligue? Liverpool premier, ok. Que se passe-t-il ici là? Al-Hilal et Al-Nasser, ok. Que se passe-t-il en Ligue 1 McDonald's? Ah, le PSG, 9 victoires, 3 nuls, une seule défaite. Allez. Analyse de l'adversaire, non, recrutement. Ok. Let's go les gars, Laval faudra y aller. Faudra leur rentrer dedans, il y aura pas d'excuses là. Faudra les tuer. Faudra vraiment les tuer. Il faudra vraiment les tuer. Je veux tuer cette équipe de Laval. J'ai envie de tuer cette équipe de Laval. Allez, faut gagner. En plus là encore une fois on est à l'extérieur, c'est chiant. Encore une fois, je suis pas chez moi là. Je suis pas à domicile. Mais bon, c'est pas une excuse, faut vraiment les fumer là. On compte bien entendu sur notre meneur de jeu, le petit Hassan. Et on compte aussi sur le capitaine Geoffrey Kondogbia pour nous mener à la victoire. Putain, les gars, c'est abusé comme ils sont forts les goals de Ligue 2. Je pense vraiment à lâcher des power shoot plus souvent, je crois. Bien joué Hassan, contrôle magnifique. Ok. Ok. Wow. Hassan c'est vraiment le provocateur qu'il pense être, hein. Il est vraiment très bon. Il est très très bon les gars. Il a une facilité à provoquer l'adversaire les gars, c'est abusé. Allez, je récolte bien contre ta puissance. La puissance de Geoffrey Kondogbia, les gars, à 30 mètres, ça y va. Hein. La balle, elle allait rentrer, je crois, les gars. Hop, on dégage sur le côté encore une fois, Geoffrey Kondogbia. Un sort, oui, tout seul. Oh, putain.
Oh, c'est pas, c'est abusé comme on a pas de chance. Oh, la main. Eh ouais, c'est pour nous. C'est pour nous. Geoffrey. Geoffrey, c'est pour toi. Putain, la main. Non? Ok. Merde. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. Avec 4 buts marqués en 3 matchs, on peut dire que c'est pas de la tartine. Ok. Ok. C'est parti. Geoffrey. Dans la profondeur. Il rentre à l'intérieur. Deuxième poteau, tu l'as vu. Mais wesh, deuxième poteau. Pff, mais wesh, deuxième poteau, les gars, non? Wesh. Je suis choqué. Allez, on joue tranquillement. Derrière. Je réconte bien. Logan. Tac. Et on va devant. Mais wesh, t'es lent. Ok, y'a faute, etc. Mais t'es lent. Allez, changement de côté. Hop, on a l'heure se retourner. Hop, hop. Franchement, on a vraiment la main mise sur ce match. Vraiment gagner ce match là. Mais c'est quoi cet enroulé? Après, j'avoue, j'ai abusé. C'est un gaucher lui. Je pensais avoir atterri sur un droitier. Il y a beaucoup de gauchers en fait, hein. Hassan Kondobia, le deuxième Hassan aussi est gaucher. Vraiment que je fasse attention là. Attention parce qu'il y a un but qui vient d'être marqué sur un autre terrain, c'est sur le match de Clermont. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but. Trop important de connaître le pied fort de ces joueurs. C'est bien noté, merci Laure, tenez-nous au courant. Malik Choukoundé. Ok. Oula. Merci. Bien joué les gars. 0-0 les gars pour l'instant. Bien joué gardien. Alors on continue, on continue. On continue les gars, on y croit, c'est à nous. Ballon dégagé encore une fois, on se bat. Allez. C'est parti. Dommage. La touche de trop en vrai, mais ouais, si je fais pas cette touche de trop, les gars, c'est trop tôt. Ça le truc. Ouais, mais c'est que cette passe, faut appuyer. Faut... Oh là, Seigneur. Allez, allez, allez. Allez, on va se concentrer. Ok, nickel. Ok. Tac. Tac, c'est parti. Ok, mi-temps. Mi-temps 0-0. Pour l'instant, c'est chimite de fou, là. C'est chimite de fou, mais... On n'est pas du tout mauvais, on n'est pas du tout mauvais, on n'est pas ridicule du tout. On est là, on est présent. Et on est prêt à essayer de reverser la vapeur là. Allez, c'est parti. Kwaku qui va rentrer. À la place de Zola. Qui fait plutôt un match moyen je trouve. C'est important de faire bouger l'équipe un peu là. Voilà, nous. Merci. Allez, je crois qu'on doit bien. Qui prend un peu de vitesse là, vite fait. Dans les pieds, oui. On dégage sur le côté. Et ouais, les gars, y'a personne. Je précompte bien. Oh, c'était bien joué.
C'était très bien joué, dommage l'enchaînement. Je pense qu'il fallait pas pas en contrôle, il fallait tirer direct. Fallait vraiment tirer direct, je trouve. Allez les gars, concentrez défensivement. Même en étant concentré défensivement, je me fais déborder, c'est une dinguerie. Franchement bien joué. Là en plus, là, le pire c'est que j'étais vraiment concentré. Hein. J'ai vraiment essayé, attention ce contrôle est magnifique. Ah mes frères, c'est compliqué. C'était pas dans le sens du but le contrôle, mais bon. Merci coach Geoffrey Kondogbia. Oh mais ça a abusé les gars, ça a abusé. Ça y est frère, tout le temps la barre. Arrêtez un peu là. Allez vas-y. Frappe. Oh ça rend ouf, vraiment ça rend ouf. Vraiment ça rend ouf là. Bien sûr que le tac il a appuyé, ça y est j'en ai marre frère, ou non? Allez c'est parti. Let's go. C'est parti mon grand. Bien joué. Mais frère, c'est pas comme ça qu'on va revenir au score, putain! Oh, ça y est, frère. C'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. La projection dans le camp de l'adversaire. Vous voyez, des joueurs seuls, vous les prenez même pas au marquage. C'est un truc de fou, les gars, je dois tout faire tout seul. Je dois vraiment tout faire tout seul. Et voilà. Encore une fois on se fait carreau sur des mauvais petits décalages de la défense. Allez c'est parti, on part de l'autre côté avec Hassan. C'est maintenant les gars. C'est maintenant. On revient derrière avec Logan. Une de magnifique, la frappe! Oh là là! Allez, Geoffrey Kondogbia, le centre, magnifique! La tête, man! C'est abusé, les gars. Putain, j'ai pas de chance. Pourquoi j'ai pas de chance comme ça? Non, les gars, franchement, là, je commence à. Tu vois? Je commence à me dire, mais c'est quoi ce jeu de fou, frère? Ce jeu est contre moi, là. Oh le jeu il est contre moi de fou là. Ouais, merci Laure et surtout tenez-nous informés de la suite. On a une minute de temps additionnel. Et le stade de la Valois qui profite de l'avantage. Eh vas-y frère, il faut exprès. La fin du match est donc un déplacement. Personne n'aime perdre. Encore moi les romantiques. C'est toujours la même chose. Première saison très compliquée, vraiment. Première saison, on va finir en jouer le maintien. Deuxième saison, on va être milieu de tableau. Troisième saison, on va monter en Ligue 1. Vraiment, la marge de progression, elle va être lente. Hein. Elle va être très très lente. J'espère que vous allez suivre vraiment cette série jusqu'au bout. Comme ça, ceux qui arriveront à la 15e saison, ben, ils auront vraiment vu la marge de progression. C'est aussi ça qui est important dans cette carrière. C'est que, ok, pour l'instant, on est éclaté. Mais plus tard, les gars. Croyez-moi, on va pas en rester là. Donc là, nous sommes en décembre.
Nous sommes en décembre et nous sommes mauvais. Je vais commencer à aller voir les contrats là, vite fait là. Ça dit quoi les contrats là? C'est pas ici qu'on regarde les contrats là. C'est dans l'accueil d'équipe ou... Attends, plan de développement. Non, c'est dans quoi les gars? Je crois que c'est accueil d'équipe en vrai. Mais comment on trie tout ça là? Comment trier par rapport au contrat, je comprends pas. Non, je crois qu'ils ont changé les trucs. Ils ont dû changer un truc. Mais avant, on pouvait voir les contrats, on pouvait classer et tout. Mais c'est trop bizarre. Non, c'est dans équipe. Gestion d'équipe, peut-être. Ben non, c'est la formation. Avant, on pouvait vraiment voir la liste des joueurs et les contrats, tout ça, etc. Maintenant, c'est plus possible. Donc, c'est ici maintenant qu'on va gérer les contrats à expiration. Ok, y a pas de souci. Donc, lui, bah, comment on voit le contrat? Ah, ok, c'est comme ça, je suis con. Ouais, mais comment on voit qu'il est en fin de contrat ou pas? C'est ça que je comprends pas en fait. Mais wesh, les gars. Par exemple, là, je mets trier. Y a pas de trier pour. Ah, mais je suis con, putain. Fallait appuyer R1. Ok, donc là c'est bon. Désolé les gars. Là, ça se finit dans 6 mois là. Matteo, 55 de général, dans 6 mois c'est terminé. Matteo, je suis désolé frérot. Moi je prolonge pas ça. Kubonjo, je te prolonge pas frérot, je suis désolé. Par contre, Geoffrey Kondogbia, je te veux bien pour la saison prochaine. Donc comment ça se passe? Vous avez déjà négocié un contrat avec ce joueur? Ouais, mais je sais que j'ai déjà négocié. C'est-à-dire, je crois qu'il faut attendre janvier pour pouvoir renégocier avec lui. Murving, centrafricain. Ouais, mes frères, non. Oussou, non. Ok, donc là, tous les joueurs qui sont là, ben, c'est des joueurs qui en prolongeront pas, quoi. Nil, non. Ah, le petit Hassan, là, j'aime bien. Lui, là, il lui reste quoi? Il lui reste 2 ans. On va commencer à déléguer. Hein. Ah, on peut pas? On pourra quand, wesh? Bref. En tout cas, là, on va recevoir l'équipe de Ajaccio. On les reçoit chez nous, à domicile. Objectif vraiment, bah, s'imposer comme d'habitude. Hein. Je vous mens pas, les gars. À un moment donné, je commence à me poser des questions, les gars, sur mon équipe. Comment va être la marge de progression? Qu'est-ce qui va se passer? C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Est-ce qu'on va vraiment progresser, en fait? Tu vois? En fait, le but, ça va être vraiment de garder les jeunes du coup de mon équipe qui commence à progresser et d'aussi continuer à ramener des jeunes du centre de formation, tu vois, tout en gardant ceux qui continuent de progresser. Et après, quitte même les joueurs du centre de formation qui arrivent mais qui n'ont pas leur place, du coup les prêter, histoire qu'ils prennent aussi de l'expérience ailleurs. Ça peut être intéressant, ça aussi. Allez, les gars, on est chez nous. La dernière fois qu'on a joué ici, on s'était mis bien. Petite victoire, je crois. Attends, faut qu'on a joué ici, donc. Pas de raison, les gars, on est à Bangui. Nous sommes à Bangui. On est à Bangui, les gars. On se doit de gagner. C'est parti, let's go. C'est parti, let's go. Allez. Ali. Passe pour Zola. On lève la tête pour Geoffrey Kondogbia. Oussou. Elle à moi. Elle à moi. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave, tranquille. Allez. Bam. 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 Je précompte bien, oui. On joue simple, oui. Oui. L'attaque se poursuit, elle se Oh développe. là, il est passé, il passe mon jambe le crochet. C'est magnifique. Mais y a personne. Mais wesh, les gars, Logan, c'est des trucs automatiques. Je sais que t'es arrière-droit, Logan, mais tu dois être un arrière-droit offensif. Le
Le ballon vient d'ici, les gars. Changez, s'il vous plaît. Allez, hop. Pour l'instant, les gars, on joue très bien. C'est bien, les gars. Simon. Le crochet, la frappe. Je l'ai un peu trop emmené sur mon côté. Mais c'est très bien pour l'instant. Ça joue bien côté centrafricain. Ça se voit qu'on est chinois. Wow! Ouais, je me suis l'arbitre. Ah ouais, putain, je me suis fait manger. Par contre, Hassan, il est rapide. Hein. C'est juste que défensivement, il est pas ouf. Mais par contre, il peut être très rapide. Bien joué, Geoffrey. Allez, attention. Allez, l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Ouais, la bonne ouverture est magnifique. Merci, putain. C'est pas normal ça de laisser passer des actions comme ça. Oh là là, pas toi, Zola. Pas toi, Zola, pas toi, frérot. Allez, on va mettre Hassan, tiens. Ça va faire 3 Hassan sur le terrain. Voilà, une balle à guerre pour reprendre le jeu. Merci. C'est parti, let's go, allez, on y va. Il y a du monde, il y a quelques possibilités. La bonne présence au duel, le ballon change de camp. Ballon perdu par Hassan. Merci. Oh putain, j'ai eu chaud les gars. Pour une fois que ça arrive à nous. D'avoir de la chance. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Allez Hassan, vas-y. Dommage, bien joué. Bien joué les gars. Vas-y. Ouf. Dommage les gars, bien joué. Donc là les gars, on commence vraiment à jouer bien. En fait c'est à chaque fois ça. Chaque fois on joue bien, après on fait n'importe quoi. Donc à un moment donné ça y est. Il a marre. Il a marre en fait. Oh là 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 les gars, le marquage. Tu l'as. Comment tu peux vouloir mettre la tête sur ce genre d'action? Non mais vraiment les défenseurs c'est des cassos hein. Simon. Ils sont en train de me saouler là. Ouais, ça peut être une situation intéressante là. Oh là là! Conserve ton ballon, putain, t'es un pivot! T'es un pivot, t'es costaud, t'es grand, frérot! Vas-y, frère, dégage la balle. Pff, c'est catastrophique! C'est catastrophique, vraiment, c'est catastrophique! Effrayant. Ok, Logan, reste concentré s'il te plaît. Oh là là, Logan, t'es pas concentré. Ah, jamais la crise, les gars, ou non?
La crise est interminable. T'as même Kondogbia, il se bat pas, wesh. Putain, mais les gars. Faut quand même pas baisser le niveau de difficulté. Là, on est très bien là dans ce niveau de difficulté. C'est réaliste. Mais faites au moins un effort, les gars. Marquez un but, deux buts, je sais pas, pour que j'ai toujours... pour que j'ai des choses à manger, quoi. Pour qu'on entende au moins la musique de but, tu vois ce que je veux dire. Hors jeu. Allez les gars. Avec Zola. Mais c'est quoi cette passe de con? Oh c'est grave. Boum. Je pouvais pas. Putain, mais je pouvais pas. Vas-y. C'est parti, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère. Fini. Putain, putain, je vais mourir. Je vais me suicider. Mets-moi en rouge. Les stats le confirment, la possession n'est pas pour l'équipe visiteuse, mais on voit très bien comment... Ça rend ouf les gars, oh non, ça rend ouf. Pas besoin de la possession pour maîtriser le match. À nouveau, regardez cette occasion. J'ai juré, ça rend ouf. Après, nous, souvent, les gars, lors des derniers FIFA, on se plaignait du niveau de difficulté. Là, en vrai, je suis bien là, niveau de difficulté. Hein. Là, je suis servi niveau de difficulté, les gars. Que ce soit, on devient pro. Oh, vas-y, vas-y, magnifique. Mais oh là là, mais je peux même pas placer un tir là. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes. Non les gars, franchement au niveau de difficulté, je suis servi les gars. Parce que c'est vrai que les joueurs comme nous, surtout on devient pro parce que moi en carrière, je sais pas défendre. Mais les joueurs comme qui maîtrisent vraiment les carrières devient pro, tout ça, etc. Vraiment, on commençait à s'ennuyer, même en mode ultime, vraiment c'était compliqué. Franchement, cette année, ils se sont bien occupés de nous. Ça fait plaisir. Vas-y. Oh là là. Même là, la majorité des tirs, les gars, ils sont... C'est des tirs de loin. Parce que c'est vraiment compliqué vraiment d'aller jusqu'à la surface de réparation quoi. C'est compliqué de zinzin. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Encore une défaite. Oh là là, la faute. Oh non, c'est carton rouge direct ça. Carton rouge. Carton rouge. Et ouais. Bah ouais frère, c'est logique. Frustration, dernière action, on va pas se manger un 3-0 quand même. Penalty ? Waouh. Comme par hasard, quand je dis on va pas se manger un 3-0, on va se manger un 3-0. Thank you.
Je sais plus quoi faire, les gars. Vraiment, je sais plus quoi faire. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Malheureusement, on enchaîne les défaites. On est en décembre. C'est triste, c'est dur, c'est compliqué. Mais bon, après, c'est comme ça. Voilà, on se met vraiment dans des conditions de difficulté extrêmes pour pouvoir trouver une grande marge de progression jusqu'à 15 saisons. Tu vois, si vraiment c'est trop facile, tout ça, etc., et que je gagne tous les matchs, c'est pas intéressant de faire jusqu'à 15 saisons.